Thank you.
tout le monde! Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Coucou Lorraine, coucou Laura, coucou Clem, coucou Sarah, comment vous allez? J'espère que ça va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end et que votre semaine débute comme prévu. Tac, je vais baisser un petit peu la musique, j'ai pas envie qu'elle soit non plus trop forte. Vous n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, s'il faut baisser, augmenter la musique, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et ben ça va très bien moi les filles, j'ai bien débuté la semaine, j'avais pas mal de boulot aujourd'hui mais que j'ai fait et que j'ai fini. Donc je suis très contente de ce premier jour de la semaine du moins pour l'instant. Après il n'y a pas de raison que ça se passe mal plus tard. Du coup aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on va mettre en couleur une illustration dans le vitro. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis un peu accro à ce livre. J'ai fini mon duo que je fais avec Safira dans le livre Derry sur les contes. Et donc du coup, je me suis reprécipitée sur mon petit vitro. J'ai hésité avec un mariatroll, mais je me suis dit non, j'ai envie de retourner dans mon vitro. Je ferai un petit peu de mariatroll après. Ça va très bien, merci Clem. Et donc du coup, je vais partir sur... Bon, il faut que je la retrouve, cette illustration. Voilà, cette illustration de Frère des ours. Alors, je vais pas vous mentir, habituellement quand je fais du Disney, je vais piquer lâchement les combos d'Oana Colo, puisque je ne suis pas très douée pour trouver des combos. Et là, malheureusement, eh bien, Oana n'a pas fait encore de Frère des ours. Là, on tient sur la malle, vous le voyez en direct. Il a pas envie de travailler, et du coup, j'ai dû trouver mes combos moi-même. Et donc je ne suis pas sûre à 200% du rendu. Ça c'est la sélection de crayons que j'ai faite pour cet ours-ci. Je ne me souviens plus de son prénom. Voilà, je suis un peu nulle. Voilà, en Frère des ours, je l'ai vu une fois, j'ai adoré le film. Je ne me souviens plus de son prénom à lui. Du coup écoutez, on va tester tout ça. C'est fait pour Prismacolor. Si vous voulez le lien du livre, n'hésitez pas. Hein, vous faites point d'exclamation livre et il y a le lien qui s'affichera dans le chat. Donc écoutez, nous on va commencer tout de suite, je sais pas trop par où attaquer. Je vais faire cette partie-là, déjà au début, comme ça je prends pas trop de risques, j'ai pas envie d'attaquer directement son visage. Salut Joe, comment tu vas? J'espère que tu vas bien et que ta semaine a bien commencé. Donc écoutez, je vous donne pas tout de suite mon combo parce que je vous l'ai dit, hein, je suis vraiment pas sûre du rendu. On va d'abord voir ce que ça donne, si ça rend bien ou pas, ou si c'est une catastrophe. Voilà, je stresse un petit peu. Voilà, j'ai un peu regardé l'image. En plus, je sais pas. Mais pour ce Disney-là, j'ai regardé pas mal d'images sur internet pour voir un peu de quelle couleur ils étaient. Et sur chaque image, ils étaient de couleurs différentes. Alors, c'est un peu une bonne galère pour trouver mon combo. T'hésites encore sur l'achat de ce livre. Lorraine, qu'est-ce qui te fait hésiter pour l'instant? Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas encore pris, que tu n'as pas encore craqué? C'est vrai que c'est un livre qui a 16,95€, donc pour certains ça peut ne pas être beaucoup, mais pour certains ça peut être aussi un certain prix, hein, c'est presque 17€ à mettre dans un livre, donc c'est vrai qu'il faut bien réfléchir. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps, ma mère arrive et après bain de bébé, mais je vais pas se faire un petit coup. Merci en tout cas d'être venu juste pour faire un petit coup, c'est vraiment super gentil Joe. Je te souhaite une très très bonne fin de journée, vraiment merci d'être passé. Ah, attends, je vois, je vais... C'est mes cheveux. Attendez, il est où mon micro? Il est là. Oui, c'est mes cheveux, je suis désolée. Attendez, je vais mettre tous mes cheveux de l'autre côté. Mais si vous me suivez sur YouTube et que vous m'avez déjà vu, vous savez que j'ai beaucoup de cheveux. Et là, j'ai les cheveux détachés. Ah, et j'ai un col roulé aussi. C'est peut-être pour ça. Est-ce que ça va mieux, là? Attendez, je sais ce que je vais faire. Attendez juste 2 minutes, je vais enlever mon col roulé parce que sinon je pense que ça va être infernal pour vous. Thank you.
Voilà, ça devrait être mieux. J'ai remis mes cheveux de l'autre côté. Comme ça, ils vont arrêter de frapper comme ça sur mon truc. Tu viens seulement de prendre le premier, Lorraine. Bah, c'est vrai que tu peux déjà attendre un petit peu de voir si tu vas dans le premier avant d'investir dans le second. C'est vrai que ça peut être une bonne idée pour voir si ça vaut le coup de l'acheter. Tant que c'est la couleur ours, ça ira. Tant que c'est la couleur ours, ça ira. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je voulais être un peu précise. Mais impossible d'être précis puisque sur chaque image, il change de couleur. Oui, je viens te découvrir là-bas. Oh, c'est trop cool, Lorraine. J'espère que tu te plais également sur YouTube et que les vidéos te plaisent. Désolée pour le striptease, t'inquiète. J'ai juste enlevé mon col roulé parce qu'effectivement, ça devait frotter. Ça va mieux là? N'hésitez pas à me dire si c'est toujours le cas. Je pense pas, mais normalement, j'ai mis tous mes cheveux sur le côté. J'ai enlevé le col roulé, donc ça devrait aller. Coucou Saphira, comment vas-tu? Je disais justement que, à peine fini notre duo, je suis retournée dans mon vitro. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai hésité entre ça et un mariatroll. Et voilà. C'est mieux, ok, super Lorraine, super, merci beaucoup. Concernant ce livre, je suis pas très Disney, mais j'aime beaucoup le principe des vitraux, j'ai les deux. C'est vrai que, pareil, je trouve ça tellement relaxant de colorier les vitraux. Et là, je suis en train de me dire que normalement, ça devrait aller. On va faire un petit test sur quelques cases, normalement. Je pense que ça devrait être bon pour les couleurs. C'est vrai que le principe des vitraux, j'adore. Vraiment, ce truc de faire du case par case, etc. Je trouve que ça détend en plus. C'est génial. C'est génial. C'est nickel. Ok, trop cool. C'était trop tentant. Ouais, c'est vrai. Tu as été tellement rapide. Ouais, c'est vrai que j'ai été très rapide, mais je te dis, en ce moment, je n'ai pas fait de DP de tout le week-end. Et donc, du coup, j'ai beaucoup colorié. Et encore, j'aurais pu limite le finir hier, mais vu qu'il faisait beau, j'en ai profité pour me balader un petit peu. Du coup, je l'ai fini tout à l'heure. Ça m'a l'air pas mal, mais je vais quand même rajouter du noir. Pour ombrer un petit peu plus. Je me suis commandé trop de livres ce mois-ci, Lorraine. Oups, mince. Et moi, du coup, je sais pas vous, si vous étiez sur le stream de Colorimi hier ou pas. On a regardé la présentation du livre des tableaux. Et bah, au moins, je peux vous dire que je vais économiser des sous là-dessus. J'ai été déçue, mais vraiment déçue. Il y a quoi aller 2-3 illustrations qui me plaisent sur 60. Autant vous dire que je vais pas acheter le livre, donc écoutez, ça va me faire économiser. Ah bah sinon je vais avoir trop... Ah bah non, sinon je vais avoir trop de retard, mais t'inquiète, Saphira. Tu verras. Tu peux prendre tout ton temps. Tu as tout ton temps. J'ai tellement craqué, toi, Saphira. Pour le tableau, taille tes crayons. Comment ça, Laura? Ils sont taillés, mes crayons. Regarde. Tic, tic, tic. Hello tout le monde, comment vous allez? Coucou Miss Louvre, comment tu vas? J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début de semaine. Non, du coup, prochain craquage, ça sera sûrement pour les prochaines sorties Hachette. Il y a aussi les Teresa Goodrich, je vois pas, je sais pas si vous voyez lesquels je parle, mais c'est ceux qui sont le moins connus, qui font un petit peu plus enfantin. C'est le Princesse. Et attendez, je vais essayer de trouver un lien pour vous montrer duquel je parle. Mais alors, la qualité papier est vraiment pas top. Mais demain, je vais faire un essai sur un de mes livres avec du papier type Amazon. Et je vais essayer de le découper pour pouvoir ensuite scanner les coloriages et pour pouvoir les réimprimer sur du bon papier. Et du coup, si ma technique fonctionne et que j'arrive à faire ça proprement, je vais acheter les livres que je vais vous montrer là. Je vais vous mettre les liens. Il faut juste que je les trouve, voilà. J'en ai déjà trouvé un. Il y en a un deuxième sur le thème des sirènes, je vais vous mettre ça tout de suite dans le chat. Tac, le premier livre. Et le second. Tac. Ces deux livres notamment que j'ai pas mal vu sur la chaîne, il me semble que c'est Dragon
ma liste qui les a. Et donc, du coup, ça m'a fait très envie. Donc, je vais voir. Si j'arrive à découper proprement mes livres et que je vois que ça tient la route, j'investirai dans cela. Sinon, non. Ça va très bien, merci Michelou, merci beaucoup. Et pas de soucis, Laura. Ça va très bien, merci beaucoup. Le mois prochain, ça va être tellement fini. Ouais, le blog, le tableau, il t'a bien plu, Saphira. Bah, tant mieux, écoute, qu'il ait plu à des gens, je t'avoue que moi, non. Ça l'a vraiment pas fait pour moi. Et écoute, tant mieux, hein, ça. Vraiment, ça va me faire économiser des sous. Donc, tant mieux, tant mieux. Mais ouais, du coup, niveau livre, ça et... Je voulais savoir si, est-ce que par hasard, parmi vous, il y aurait des gens qui ont déjà commandé les lots de Prisma blanc sur Amazon US? Parce que j'aimerais bien être sûre que c'est des vrais, et qui sont bien. J'hésite vraiment. Parce que je vous avoue que depuis que j'ai découvert que le blanc était bien, je l'utilise beaucoup, le Prisma blanc. Et donc du coup, je pense vraiment que je vais commander sur Amazon, US des Prisma blancs en lot là, puisque ça revient moins cher. Je n'ai aucune idée de si c'est vrai, si c'est bien, etc. Coucou Panda, comment tu vas? J'espère que tu profites bien de cette journée sans enfant et que tu la consacres au colo et aux choses que t'aimes. Toi qui aimes bien la nature, c'est pour ça que tu n'as jamais eu les Nice Little... Alors j'en ai eu un, mais je n'y allais pas justement à cause du papier. Et du coup je l'ai viré de... Ça frotte encore? Ah mince! Attendez, mais je comprends pas du coup à quoi il frotte. Attendez, tac. Ça devrait être peut-être un peu mieux. Je comprends pas à quoi il frotte. Pourtant il est où? Il est là. Donc, je vais essayer de le mettre un peu plus comme ça. Ça devrait être un peu mieux comme ça, normalement. T'as jamais commandé toi? Donc oui, pour venir au Nice Littleton, je les avais, enfin j'en avais un, mais du coup justement à cause du papier, je n'y allais jamais, donc je l'ai viré de ma collection. Je regrette un petit peu puisque du coup j'aurais pu le découper et le scanner, mais bon, écoute, c'est comme ça. Tant pis, maintenant il n'est plus dans ma collection, donc je peux pas revenir en arrière. Mais bon, enfin, je vous dis ça, si ça se trouve, demain, je vais vouloir faire ça avec mes livres et ça va tourner à la catastrophe et ça va rendre pas bien du tout. Mais bon, j'espère pas. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, jeudi, si ça a marché ou pas. T'as déjà commandé, toi, Lorraine, avec les Prisma sur Amazon US? Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu as déjà fait... Les Prisma parce que ça marche super. Tu as déjà fait avec les Prisma parce que ça marche super. Comment ça, Zafira? Ça va, je vais aller finir Blanche-Neige. Et toi, ça va super, merci. Panda. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle, ta Blanche-Neige. J'ai vu que tu l'avais fini. Maintenant, plus que le fond. Enfin, plus que. C'est un peu de travail, mais bon. Et j'ai déjà fait un peu de nail color dessus. Mais vraiment pas saturer le papier. Bah, je t'avoue que... Ah, ok, tu as déjà fait avec les Prisma parce que ça marche. Ok, d'accord, non, justement, j'avais pas les Prisma à cette époque-là. Saphira, j'avais que les polis. Et vraiment, non, j'aimais pas du tout la qualité du papier. C'est pour ça que je l'ai pu, du coup. Malheureusement. Pour Amazon US, j'ai déjà commandé des Prisma, mais la boîte de 150, pas les lots blancs. Ouais, moi aussi, ils viennent d'Amazon US, mes Prisma. Mais c'est vrai que si, Lorraine, tu me dis qu'ils sont bien, écoute... Ok, ils sont très bien, donc je pense que je vais passer commande parce que il descend très 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 vite. Plus que le cadre, le gros fond est fini. Le gros fond est fini, ah ouais Ah ouais, Panda, t'es allé super vite. J'ai hâte de voir le résultat. Le Prisma se travaille très bien dans les papiers des Nice Littleton. Ok, ça fera bah, peut-être qu'un jour je recraquerai sur un nouveau Nice Littleton, je verrai. Coucou Penny, comment vas-tu? J'espère que mon début de semaine se passe bien. T'écris des histoires et je fais une pause. Ok, Laura, ok, c'est cool. Tu fais une petite pause. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup augmenté. Les Prisma blancs, Lorraine, pourquoi ils étaient à combien? Là, j'ai vu qu'ils étaient un pack de 12 et il était à 13$. Il était moins cher avant. J'ai fait une fois un colo avec les Colorsoft, ça a été l'horreur. J'ai testé aussi les Black Widow et c'était aussi une galère, mais les Prisma, c'est top. Ouais, bah tu vois, à l'époque où j'avais mon Nice Littleton, j'avais pas les Prisma, donc j'avais jamais tenté. C'est vrai que c'est un petit peu...
un petit peu dommage, du coup j'aurais dû le garder, j'ai été bête, mais bon, c'est comme ça. Prismacolor à 94 euros là. Non mais les Prismas c'est abusé, moi c'est pour ça que je les avais pris, le lot 250 Panda, moi je l'avais pris sur Amazon US et ça m'a été revenu, ouais, quelque chose comme ça. Il faut que je trouve quel colo faire après Panda. Ah oui! T'es déjà en train de te demander ce que tu vas colorier après? Peut-être rester dans le vitro, non? Tu peux regarder sur mon Insta, c'est le colo avec le jus de pomme. J'adorais le faire. Je vais regarder ça, Safira. 18 euros la dernière fois que j'en ai pris. Hier, j'ai regardé 23. Bah ouais, c'est vrai qu'hier j'ai regardé avec les frais de port, effectivement ça me faisait 22 euros. Mais toi ça faisait 23, ça faisait 18 euros avec les frais de port, Sol Lorraine. Parce que du coup je pense, tu vois, que si j'en commande par exemple sur Colorette Pencil, ça me fera quand même plus cher, je pense, de commander sur Colorette Pencil. Ah, j'arrive pas à faire ce que je veux avec mes pastels. Je t'avoue que les pastels, c'est vraiment pas mon truc. Je sais vraiment pas les utiliser et j'aime pas ça surtout, utiliser les pastels. C'est pastels en crayon ou à sec, Safira? Ah, quasi sur le même qu'un autre vitro, mais dans le 1, le 2, lequel? Bah allez, on alterne, Panda. Tu fais un dans le 2, un dans le 1, un dans le 2, un dans le 1. Allez, dans pas mal de temps, tu as fini tes deux vitraux. Oui, 18 euros, tout compris. Ah oui, effectivement, Lorraine. Effectivement, ouais, bah ouais, j'avais regardé il y a quelques jours, c'était 23. Enfin, 22, quelque chose comme ça. Bon, donc pas loin de 23, effectivement. C'est vrai que, du coup, oui, ça a dû augmenter. Mais ouais, je pense que ça revient quand même moins cher que de les prendre à l'unité sur un site comme Colorette Pencil. Ouais, du coup, finalement, ça a l'air de plutôt aller, mon combo. On verra bien, mais normalement, je pense que ça devrait aller. J'essaie MDR pastel sec, mais j'ai l'impression que je suis pas douée. Je t'avoue que je n'étais pas douée non plus quand j'essayais d'utiliser les pastels secs. C'est vraiment... C'est pas mon truc, les pastels, je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai l'impression que tout le monde dit que c'est un matériel super simple à utiliser. Mais j'ai l'impression d'être la seule personne qui, quand elle faisait un fond au pastel sec, j'arrivais à faire des traces. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment d'être la seule personne à qui ça arrive. Tout le monde est là genre, oui, des pastels secs, super facile, c'est ce que je recommande aux débutants. Mais moi, franchement, je faisais trop de traces avec mes pastels secs. Donc après, ça vient sûrement du fait que, je sais pas, juste je ne suis point douée avec ce matériel, mais... Je t'aide pas beaucoup, Panda. Bah, je t'avoue que moi, tu sais que ça a été ma grande question juste avant le live. J'ai feuilleté pendant je ne sais combien de temps le vitro tome 1, le vitro tome 2, le vitro tome 1, le vitro tome 2. Et j'ai trop hésité entre les deux. Et au final, j'avais trop envie de colorier quelque chose qui change un petit peu. Et j'avais jamais fait Frère des Ours. Et celui-là, il m'a fait craquer. J'ai hésité avec... Alors, faut savoir qu'il y a exactement, voilà, la même illustration. Dans le 1, mais sans les décors derrière, avec un autre décor derrière. Et que celui-là étant un petit peu plus chargé, je me suis dit que ça serait plus drôle à mettre en couleur. Coucou Tali, comment tu vas? Comment se passe ton début de semaine? Ce lundi matin? Enfin, ce lundi matin, non, en fait, ce lundi tout court. Ouais, comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, je recommence à bien bosser, ça va être même... Pour les 4 prochains mois, là, j'ai pas mal de travail. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai quand même réussi à trouver du temps pour faire un live. J'ai même eu le temps de finir un colo, donc j'étais vraiment contente. En même temps, j'ai commencé à travailler assez tôt ce matin. Et donc, du coup, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire. J'ai même commencé à filmer un vlog que je vous posterai. Il sera en ligne... samedi, comme d'hab, à 8h. Et bah, Panda, choisis les deux, tu fais un colo en même temps, dans le tome 1 et dans le tome 2.
Je vais finir par premier vitrail et faut trouver la suite. Tranquille, ça va, juste temps de flotte aujourd'hui. Ah ouais, Tali, je me rappelle plus d'où t'es. Parce que nous, en région parisienne, il fait beau. Ça, c'est chouette. Toi aussi, Laura, c'est le déluge chez vous? Ah non, bah, attendez, franchement, je suis pas peu contente que pour une fois, en région parisienne, il fasse beau chez nous et pas chez vous. À chaque fois, c'est l'inverse. Vous me dites, oh, vous, moi, grand soleil, etc. Et moi, à Paris, je suis en mode, il pleut. Nord-est, ah oui, effectivement, bon, bah, si t'es... Attends, nord-est, oui, par là. Ah oui, effectivement, donc, si t'es plus dans le nord que moi, Thalie, effectivement. Toi aussi, il fait beau, Saphira? Ah ouais? Oh, je sais que j'aimerais trop... Bordeaux, c'est une ville qui me fait trop envie, Panda, mais j'y suis jamais allée. Enfin, je suis jamais allée à Bordeaux, je suis allée autour de Bordeaux, mais jamais dans la ville de Bordeaux. Elle me fait trop envie, cette ville. Alors ça, je sais pas du tout, Tali. Attends, je vais voir si moi... Est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour ça? Je vais regarder. Tac, tac, tac. Alors, je peux faire beaucoup de choses, mais ça, je ne peux pas. Oh, Alicia, elle sait comment faire. Alicia, What the Phoenix, elle sait comment faire. Tu pourrais lui demander sur Instagram. Elle, elle sait comment faire. Moi, je t'avoue que je ne sais pas. Sur la côte d'Opale, on est dans le PDC. Je sais pas, attends. Je vais regarder sur internet pour pas avoir l'air d'une idiote. PDC. J'essaye. Pas de Calais. Oh, bah oui, bah oui, bah oui, 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 oui. Merci, Panda. Effectivement, merci à ma traductrice, hein, Panda, traductrice officielle de l'Empreinte de Juliette. Soleil sur la côte d'Orpal dans le Pas-de-Calais. Bah ça, par contre, la chance. Ici, c'est prévu grosse pluie cet après-midi. Ça a duré 10 minutes juste à température qui est tombée. Je suis à Nice. Ah, mais je suis contente. Nous, tu vois, il fait beau, il y a du soleil, c'est cool. J'étais très contente. Normalement, il fait beau toute la semaine. Pour une fois. Pour une fois, pour une fois. T'inquiète. Oula, je vous ai encore shooté dedans, mais il faut que j'arrête. T'inquiète, Sarah. C'est juste, j'avoue que j'ai pas... Je suis nulle en plus en région, mais je suis nulle. Et je pense que vous en rendez compte quand je parle avec vous, que vous me dites où vous habitez ou d'où vous venez. Je suis très très nulle en région. Toi, tu veux juste qu'il arrête d'avoir du vent, Panda? Ah ouais, c'est vrai que Bordeaux doit avoir un peu de vent, effectivement. Mais bon, attends, j'ai des potes qui sont à Bordeaux quand même, il fait assez beau en ce moment. Vous avez du soleil, ça a l'air d'être cool. Couler à la frontière allemande. Ça veut dire... bon, là, c'est fermé en ce moment, mais... Europa Park, mais j'ai juste à côté. Oh, merci beaucoup, Tali, c'est super gentil. Merci beaucoup, bah j'en prends note. Merci, c'est très très gentil. Merci beaucoup. C'est à côté, il manque le soleil. Il manque le soleil chez toi, Laura. Et toi, Lorraine, pluie. Mais vous devez pas habiter loin, Tali, Lorraine et Laura, non? Oui, mais le vent, ça rafraîchit trop. Ouais, mais franchement, quand je vois mes potes qui sont sur leur terrasse... Grand soleil, qui prennent leur petit apéro dehors, etc. Et ben ça fait bien envie. Sérieux, Saphir? Mais pourquoi? Attends, je regarde qu'il n'y ait pas un truc sur mon micro ou quoi. Mais non. Attends, deux secondes, je vérifie un truc. Si vous avez des écouteurs, c'est le moment de les enlever. Attends. Deux secondes. Ça ne le fait pas tout le temps. Je vérifie un truc. Ouais, pourtant c'est le bon. Attendez.
Là, j'ai troqué la pince pour un chouchou. En vrai, ouais, bah, je pense, Panda, que c'est mes cheveux, en fait. Je pense que c'est mes cheveux. Donc, j'ai troqué. Vous n'hésitez pas à me le dire si ça le refait. Mais non, je pense pas que ce soit un souci du câble. Je pense vraiment que c'est mes cheveux, parce que j'ai plein de cheveux. Et même avec une pince, ils n'étaient pas totalement dégagés au niveau du micro. Donc, je pense que c'est ça. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Mais n'hésitez pas à me le dire si ça le fait. Là, j'ai troqué la pince pour un giga chouchou. J'ai une giga choucroute sur la tête, du coup. C'est pas très loin, Tali, on va dire. Je sais, j'adore cette région-là. J'aime beaucoup l'Alsace. Et donc, du coup, quand j'y vais, je vais à Europa Park. Ça le fait pas tout le temps. Ça le fait pas tout le temps, ça gère. Ok, non, mais vraiment, je pense que c'était mes cheveux. Je vais voir. Allez, tu vas finir ton colo pendant. Je veux trop voir à quoi il va ressembler. Nous, pas de vent en ce moment, ça fait du bien. Moi non plus, j'ai pas de vent, c'est cool. T'as 1 heure de route pour aller dans les eaux, dans les eaux, dans les Vosges, Laura. J'étais en vacances là-bas cet été. J'étais à, comment ça s'appelle? Gérardmer. Il me semble que ça s'appelle comme ça. J'étais juste à côté de Gérardmer. Quand il bouge, faut couper. Ah non 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 non. Si tu savais, Panda, comme j'ai galéré, parce que faut savoir que je suis une fille qui a fait absolument n'importe quoi avec ses cheveux pendant tout mon collège. Je me les suis lissées, lissées, lissées. Ensuite au lycée, j'ai fait des décolorations, mais à mort, sachant que je suis déjà blonde, mais je voulais être blonde, blanc blanc, donc j'ai fait des décolorations sur décolo, plus le lissage. Ce qui fait que en 2019, je les avais coupées beaucoup, 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 beaucoup. Et donc du coup, j'ai dû attendre bien longtemps pour retrouver de la longueur. Et là, je commence à retrouver une belle longueur, donc je suis contente. Et surtout des cheveux beaux. Des beaux cheveux, donc. Ah non, là je coupe pas. Hein. Non, non, non. Dis la fille qui sait pas si elle va aller chez le coiffeur cette semaine, Panda. T'hésites? T'hésites à aller couper ça? Bon, en vrai, moi je dis ça, mais il faudra que je coupe les pointes. Mais je t'avoue que j'ai tellement galéré à retrouver un peu de longueur. Parce que moi, mes cheveux, ils étaient mais dans un état. Parce que ouais, si vous me suivez sur YouTube, vous voyez que j'ai très, enfin, pas mal bouclé. J'en ai beaucoup. Vraiment beaucoup. L'avantage, c'est qu'on voit pas la grosse choucroute. Attendez, je vais vous montrer à quoi ressemble la grosse choucroute. Quoique, ça va, ça fait pas trop choucroute. Ça va. Mais regardez ce que j'ai sur le dessus de la tête, du coup. Voilà. Un gros chignon sur le dessus. Demain, tu verras. Bon, je continue le fond au pastel sec, c'est pas une réussite. Peut-être si tu fais plusieurs couches, je sais pas. C'est vraiment, moi je peux pas te conseiller niveau pastel parce que je suis tellement pas douée. T'as 1 heure de Gérardmer, Lorraine? Je trouve ça, la région, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça tellement beau. Bon, par contre, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Bon, par exemple, on n'est pas du tout allé se baigner dans le lac de Gérardmer. Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Par contre, on avait trouvé un autre truc, si vous êtes du coin, peut-être que vous connaissez, qui s'appelait le lac des Corbeaux, il me semble, quelque chose comme ça. On avait fait toute une balade autour, c'était magnifique. Vraiment, j'ai trop trop aimé cet endroit. J'ai découvert ça et j'étais trop contente. Teste aussi, Panda, t'essayes d'éviter le lisseur là. Bah, franchement, tu verras la différence. Moi, j'ai vu une grosse différence. J'ai arrêté le lisseur, je suis passée à des produits, des shampoings, des après-shampoings, etc. Bio, clean, etc. Et vraiment, j'ai vraiment récupéré mes cheveux, donc je suis contente. Ouais, les miens sont dans un état. Ouais, Panda. T'habites derrière Gérardmer, Laura. La chance, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. J'aime trop cet endroit. Je trouve ça super joli. Bah, après, c'est vrai que Gérardmer, pour le coup, il y avait beaucoup de monde, donc j'aimais pas trop, mais. Mais je me concentre sur les cheveux crépus d'Eden. Oh, je trouve ça tellement beau, les cheveux crépus, mais tellement beau. C'est magnifique. Ma maman, elle a pas les cheveux crépus, mais presque. Elle a les cheveux vraiment frisés, 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 genre très, très. Et je suis contente d'ailleurs de ne pas avoir hérité d'autant de ses cheveux, parce que autant ma mère est un peu bronzée, autant moi, je suis blanche comme un. Voilà.
Des fesses, ce qui fait que ça aurait fait un peu bizarre, une blanche blonde avec des cheveux presque crépus, ça aurait fait quelque chose d'un peu bizarre. J'ai le crâne rasé, je sais plus ce que c'est d'avoir beaucoup de cheveux peignés. J'espère que tu as le crâne rasé par choix. Et un jour, j'aimerais trop me raser le crâne de, je sais pas, Sam Dégoule dans la vie pour juste, je sais pas, voir ce que ça fait. Mais je suis sûre que j'ai un crâne moche. Prochaine étape, tu nous montres ta frimousse. Je la montre, ma frimousse, mais que sur YouTube. Mais pour l'instant, si je la montre pas, c'est juste que je n'ai point de webcam. Enfin, j'ai pas encore de webcam, de deuxième webcam. En fait, là, je vais vous faire le topo de ce qui va arriver prochainement. Je suis en train actuellement de mettre de côté pour acheter une webcam de meilleure qualité. Parce qu'on se rend pas compte celle-ci, mais vous voyez vraiment pas les bonnes couleurs. Enfin, bref, c'est pas foufou. Donc du coup, j'économise un petit peu pour pouvoir me prendre une bonne webcam, la même que d'ailleurs que Pretty. Je vois que d'ailleurs que tu viens d'arriver, Pretty. Coucou, comment tu vas? Et donc du coup, voilà, j'économise pour prendre cette webcam-là. Et donc du coup, celle-ci, voilà, elle servira à voir ma petite tête. Coucou tout le monde, je suis au travail, donc je risque de déconnecter entre deux. Pas de soucis, Pretty. Beaucoup de courage à toi. Vraiment grosse grosse force à toi. Je pensais que vous seriez fermé le lundi. Je me disais que tu aurais peut-être un jour de repos en plus, mais pour gros gros courage à toi et merci d'être là. Coucou Gaëlle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien et que ta journée de travail, enfin ta matinée de travail s'est bien passée. Mais pour les cheveux bouclés, c'est vrai clairement à oublier le lisseur trop souvent. Ah ouais, mais moi avant, Panda, tu vois, quand j'étais au collège, je n'assumais pas du tout mes cheveux bouclés. Du coup, c'était vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voire même, je mangeais chez moi le midi. Et des fois, quand il avait plu ou qu'il y avait un peu de vent, je relissais mes cheveux le midi entre deux. C'est pour te dire. J'aime pas les frisottis. Du coup, je fais. Du coup, attends. Du coup, il va falloir que je m'y fasse. Et oui, Tali, faut s'y faire, faut s'y faire. Mais tu verras au bout d'un moment. Tu vas t'y faire. C'est vrai qu'elle nous manque, Pretty. Pretty, elle est fatiguée, la pauvre. Mon fils a bronzé en 2 semaines, une vieille en ville m'a demandé c'est le vôtre. Oh, c'est horrible, Panda. Ça le fait aussi avec mon frère, ça lui est déjà arrivé. Parce que ma nièce, elle est eurasienne. Donc elle a une maman thaï et mon frère qui est français. Et on lui a déjà demandé. C'est horrible. Ah d'accord. J'ai pas suivi, t'as listé, d'accord, pourquoi? Oui, c'est par choix. Ok, tant mieux, Penny, tant mieux, tant mieux. Bah tu vois, rien que pour pouvoir tester plein de trucs en mode essayer des perruques. J'adore les perruques. J'aimerais trop pouvoir changer de couleur de cheveux tous les jours, c'est un peu mon goal. D'ailleurs, voilà, il n'y a que Gaëlle qui est au courant, mais je vais vous partager ça. J'ai eu les cheveux bleus au bout d'un moment, enfin les pointes bleues. Et plus jamais, ça a été une vraie galère à faire. Donc, ce serait bien si je pouvais changer de couleur de cheveux tous les jours grâce à des perruques. Très bien, je viens de me réveiller de ma sieste, Gaëlle. J'espère que t'as bien dormi pendant ta sieste. T'as bien récupéré. Toujours très occupée, mais bon, on s'y fait cette semaine. Je passe en mode négociation de mes congés car il me reste encore après 2 semaines à prendre et j'en ai grand besoin de repos. Ouais, bah je peux te comprendre. 3, 4, je peux te comprendre, Pretty. Je peux te comprendre. J'espère que ça va être accepté. Vraiment. Beaucoup mieux tes cheveux maintenant. Ouais, t'as vu Gaëlle? Gaëlle, elle m'a connue à l'époque où c'était mi-lisse, mi-bouclée. Ah oui, Tali, mince, ok, tu disais, ah d'accord pour le fait. Ok, c'est bon, ça a monté au cerveau, Tali. L'année dernière, j'étais à Gérardmer pour regarder un feu d'artifice. Ah ouais, Laura? Mais moi, il n'y avait pas de feu d'artifice quand j'y suis allée. C'était peut-être pour le 15. Je suis rousse, peau qui va avec, mon fils métis, son père africain. Voilà, ça doit faire un mélange trop beau, Panda. Au bout d'un moment, j'ai hésité. Ma maman, elle a réussi à me convaincre de ne pas le faire. Mais il y a quelques mois, enfin quelques mois même, c'était même il y a quelques semaines, j'avais trop envie de me faire rousse. Et après, je me suis dit, non, je vais peut-être trop galérer à retrouver tes cheveux. Pas de couleur, pas de couleur. Ouais, bah moi aussi, je mets beaucoup d'aloe vera dans mes cheveux. De toute façon, il n'y a que ça, hein. ONE, je sais pas, même ONE, j'ai trop peur de les abîmer, donc je me dis, tant pis, ils vont rester blonds.
Je leur ai fait subir n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est vrai que je suis. C'est vrai que ça l'aîné, ça abîmerait pas, tu vois, mais c'est vrai que ça abîmerait pas. Mais faudrait que j'y réfléchisse, mais pour l'instant, on va rester blonde. Ce serait trop cool, Pretty, mais après, te force pas hein, si t'es fatiguée, mais ce serait trop cool, tu nous manques. Pretty, je lui ai montré la dernière fois, mais il y avait des lives, ses tout premiers lives, je ne les avais pas vus. Et donc, du coup, là d'ailleurs, j'ai pas fini, je crois que je suis au troisième, que je n'avais pas vu. Je me fais des lives, les vieux lives de Pretty. Et je passe un très bon moment, elle m'accompagne pendant mes petites séances colo. Du coup, à chaque fois, j'ai envie de vous répondre. D'ailleurs, il y avait une question que j'avais envie de te poser. Mais je sais plus quoi. Je m'étais dit, ah mince, faut que je lui demande si elle l'a fait entre-temps. Oui, si, c'était ça, Pretty. Est-ce que entre-temps, tu as fait un mystère arrangé dans le Princesse? Parce que dans le live où je suis, tu dis que tu vas colorier dans... Tu vas faire un mystère arrangé dans le Princesse. Alors moi, je veux savoir, est-ce que, du coup, tu l'as fait? Est-ce que tu es passé à l'action? Pas encore, je pars me cacher. En même temps, je m'étais dit que je l'avais pas vu passer. Donc il y avait moyen ou que tu ne l'aies pas fait. Moi, ça fait longtemps que je suis pas allée dans mon Princesse. Alors autant vous dire que moi, les mystères arrangés, c'est non. Non, 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 je veux pas. Mais par contre, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un, juste comme ça. Je sais pas ce que vous pensez, mais le combo, je trouve que ça va, hein, finalement. Ça va, ça va, j'avais un peu peur. En fait, j'ai grand besoin de retrouver autour d'un live Petite Panne Colo depuis quelques semaines. C'est vrai qu'un live, ça t'aiderait, je pense, Pretty. Je sais que Créa, au bout d'un moment, elle était un peu dans une panne colo, et le fait de nous retrouver en live un petit peu, ça l'avait pas mal aidé. Merci beaucoup, Pretty. J'ai un peu galéré. Je t'avoue que ma solution de d'habitude, qui est de... Tiens, on va checker l'insta de Oana pour choper un combo. N'a pas marché puisqu'elle n'a pas fait de combo frère des ours. Du coup, j'ai dû me dépatouiller toute seule. Ouais, tu pars dans un petit Disney, limite un carré, Pretty. Un petit carré, tu vois, sans prendre la tête. Et paf. Au fait, Pretty, avec Colorimi, t'étais pas là pendant le live hier. Mais on a regardé la vidéo... Du présentation du tableau. Quand on a vu les deux illustrations de clochettes, on a dit Pretty, on l'a perdu, elle va l'acheter. Donc, je veux savoir si on a vu juste, est-ce que tu vas acheter ce bloc portrait, Pretty? Moi, personnellement, c'est no. Mais toi, je pense que rien que pour les deux de clochettes, c'est sûr que tu vas le prendre. Ouais, bah exactement, Panda, le carré baby, c'est vrai que pour se remettre. Non, pas moi, Laura, Colorimi. Je sais pas comment t'envoyer vers sa chaîne. C'est une autre coloriste, une autre personne qui fait des lives comme moi, coloriage, qui est super gentille. Et qui a fait un live hier. Bah, je sais pas si ça marche justement, tu vois, non, ça marche pas, Panda. Ça marche pas parce qu'il faut que la personne elle soit sur le live pour que ça envoie la chaîne. Et donc du coup tu tapes exactement le pseudo Colorimi. Bah non Panda, en fait j'hésitais. Je me suis dit est-ce que ça va marcher, mais non, il faut que la personne soit sur le live. Tu copie-colle le pseudo Colorimi comme te l'a orthographié Panda. Et ça ira, tu iras directement, tu tomberas sur... sur sa chaîne Twitch. Si t'as envie de découvrir d'ailleurs Laura, d'autres personnes qui font des live colo, tu as Pretty Color qui en fait aussi également des live coloriage. Et elle est dans le chat, donc tu as juste à cliquer sur son petit pseudo. Mais belle tentative Panda, hein. J'ai pensé la même chose. Et au fait, le petit truc gênant, ça arrive plus, le petit frottement. J'avais raison, c'était bien mes cheveux. Tu dois pas le configurer normalement pour que ça mette la chaîne. Ah oui, mince, effectivement, ouais, il doit avoir un truc à faire. Bah écoute, je pensais que c'était automatique les filles, mais du coup. Du coup, du coup.
Du coup, je regarderai ça. Mais donc, du coup, pour trouver Pretty Color, c'est simple. Il y a son prénom dans le chat. Et pour Colorimi, bah, faut juste taper Colorimi dans sa barre de recherche. Et du coup, au prochain live, je vais bidouiller tout ça pour que vous puissiez quand même... pour que la commande marche. Je pense que c'est dans Wizbot. Il faudra que j'aille voir. Tu reçois tes preuves teneurs demain, Panda? Sérieux, trop cool! Trop cool, j'ai trop hâte d'avoir ton avis. Tu nous dises « je les adore » ou bah, c'est ce que j'espère que tu nous diras « je les adore ». Mais ouais, j'ai hâte que tu me dises ce que t'en penses. C'est normal, Laura, ça va faire quelques temps que Pretty n'a pas fait de live, mais elle pense en faire peut-être un dans la semaine. C'était bien tes cheveux. Ok, merci Safira, merci Clem. Du coup, effectivement, c'était bien mes cheveux. Maintenant, je sais que quand je fais un live, il faut que je les attache en choucroute au-dessus de la tête pour pas que ça dérange. Ah, je suis pas contre Miss Louvre. Je suis pas contre. Moi, je pense que... Est-ce qu'il faut que j'aille voir ça, paramétrer ça dans mon Wizbot? T'as déjà ton colo choisi pendant... Alors, tu vas les tester dans quoi, t'es pour ton brave tanner? Pas de soucis, Laura. Pas de soucis, Pretty. Bah, justement, je disais... déjà, j'ai dit que vous pouvez aller s'abonner à ta chaîne si on voulait voir plus de live colo. Mais je demandais aussi, surtout, quand on a vu hier avec Priscilla le... Quand on a découvert ensemble la vidéo de présentation du bloc tableau, on s'est dit, quand Pretty, elle va voir les illustrations de clochettes, c'est sûr que elle va craquer dessus avec les illustrations de clochettes. On en était sûr. Donc du coup, je voulais savoir si on a eu raison ou pas. Est-ce que tu vas craquer sur ce bloc? Un Jonah Basford du nouveau livre, un petit colo. J'ai pas craqué sur ce livre-là, Panda. Après, je te dis ça, si ça se trouve, je vais le voir en vrai, peut-être dans un culturel, je vais me dire « Ok, super, et je vais le prendre ». Mais pour l'instant, vidéo de présentation, ça m'a pas trop parlé. Je verrai si je le vois en vrai à l'occasion. Streamlabs en bot, il faut que tu ailles sur le lien d'internet. Ouais, mais moi, c'est Wizbot, mon bot. Au pire, si tu veux voir... oui, elle a ses rediffs sur YouTube, Laura. Tu vas sur sa chaîne YouTube. Attends, je vais te la trouver. Je vais te mettre le lien de sa chaîne YouTube. Tic, tic, tic. Toc, 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 toc. Pretty Color. Tac. Et... Tac, tiens Laura, t'as la chaîne YouTube de Pretty Color du coup ici, et dessus il y a toutes ces rediffusions. Donc pour répondre à la question, je vais craquer évidemment, mais on savait Pretty, quand on a vu les... Quand on a vu les illustrations de clochettes, on s'est dit bon bah voilà, on a perdu Pretty à ce moment-là. Je pensais perdre Priscilla sur les illustrations de la petite sirène, mais non, elle a été forte. Et enfin si, elle a dit qu'elle allait peut-être le prendre et qu'elle verrait, mais... moi en tout cas j'étais trop déçue. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Non mais c'est... Bon, j'ai craqué à la Fnac. Mince, Manda. Pourquoi t'es allée à la Fnac aussi? Tu pouvais pas partir sans rien. Non mais je te dis, peut-être si je le vois en vrai, je verrai. Mais vu que comme ça en vidéo, il m'a pas marqué ce livre. Moi j'hésitais, mais je n'ai quasiment plus dans mes Johanna, donc bon. Ah ouais, Safira? Après, ça dépend. Peut-être que je trouve que celui qu'elle a fait, il change vraiment de ses autres. Donc c'est où on aime, ou on n'aime pas. Peut-être que du coup, t'irais plus dans celui-là si... S'il change un petit peu. Ouais, c'est vrai que moi, je sais pas. Mais je vous dis, hein, y a plein de choses. Par exemple,
Le Vitro tome 2, au départ, j'avais dit non. Je l'ai vu en vrai, j'ai dit bon, bah ok, finalement, tu pars avec moi. Donc bon. Pas de soucis, Pretty, c'est normal. Pas de soucis, Laura. En vrai, ce bloc est intéressant. Il y a une bonne partie que je n'aime pas du tout, mais c'est vrai que je fais les associations qu'on trouve pas ailleurs. Bah, moi, je te dis, tu vois, Pretty, il y a vraiment quoi allez. 3-4 illustrations, grand max, que je trouve jolies. Mais c'est vrai que le thème était super bien. En fait, j'en attendais trop parce que vraiment, quand j'ai vu le titre bloc tableau, je me suis dit, mais ça va être génial, l'idée est trop bien. Et j'étais surmotivée, j'étais trop contente. Il y avait trop de fioritures et de trucs genre que je saurais pas comment mettre en couleur dedans. Donc, c'est no. Je trouve qu'il y a des illustrations qui sont top dans le tableau. En plus, il y a des personnages qu'on ne voit jamais. C'est vrai, Saphira, c'est vrai. Mais moi, en fait, les personnages en soi, je suis contente et tout de ce qui a été choisi. Mais c'est juste, en fait, le fait que toutes les fioritures à côté... Enfin, j'ai pas aimé la façon dont ils ont mis en forme le bloc tableau. Voilà, c'est pour ça que ce sera un no. Et tant mieux, parce que je suis quasiment sûre que je vais craquer pour... Le Histoire éternelle et le méchant de Tracy D'Souza. Donc au moins ça va me faire des économies pour cela. Prochain Disney, toutes les sorties en fait, je suis pas fan. Tu dis ça parce que t'as pas encore vu les vidéos de présentation, Panda. Tu dis ça parce que t'as pas encore vu les vidéos de présentation. Parce que vraiment, moi je pense là que les deux livres format cartonné, j'en attends beaucoup. Après ça se trouve, je vais être déçue. Mais je suis quasiment sûre que ça va être une tuerie. Déjà, il y en a un, c'est Tracy D'Souza qui l'a fait. Donc, forcément, ça va être trop beau. Et j'ai trop hâte. Ouais, toi, c'est ta hâte, Pretty. Ça va être trop bien. Ça se trouve, je vais être grave déçue. Et là, je serai en mode... Mais non, je pense que ça va être vraiment pas mal. Ça et... Le bloc affiche mythique, vu que j'avais pas pu avoir le tome 1, je pense que je me le prendrais. Mais c'est vrai qu'il me semble que c'est toi, je sais plus qui avait soulevé ce problème. Je sais que c'est une d'entre vous qui l'avait soulevé, que effectivement, vu que ça allait être un bloc, les détails allaient peut-être être trop petits. Et du coup, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, ah oui, effectivement. Donc peut-être que j'attendrai de le voir en vrai pour voir si c'est faisable de le colorier ou pas malgré la taille. Le concept du livre, il était une fois, j'aime tellement pas l'idée de colorier un livre dans un livre, ça me perturbe. Non, moi aussi, Panda. Vraiment, celui-là, c'est... Nope. Et lui, c'est sûr que je craquerai pas. C'est vraiment... je comprends pas. L'idée était trop bien, mais juste un livre dans un livre. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé. Donc, c'est que ça plaît, et tant mieux. Mais moi, c'était juste en mode... Nope. Moi, je sens que je vais craquer MDR, je suis sûre que je vais me retrouver avec les méchants, l'histoire éternelle, le bloc tableau et le bloc BFF. Alors, le bloc BFF, du coup, je sais plus si on en avait déjà parlé ou pas, mais j'avais beaucoup trop peur parce que l'illustrateur, c'était William Ball et que moi, je n'aime pas du tout le art déco. Mais par contre, les trois qu'il a montrées, là, Bruno, elles sont trop belles. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir trop de art déco, donc si ça se trouve, je vais craquer. Après, si ça se trouve... Enfin, par exemple, les quelques illustrations qu'il avait montrées pour le bloc, enfin pour le carré créature fantastique, on n'avait pas de mandala, et au final on se trouve avec un livre plein de mandala, donc j'espère que ça sera pas pareil avec le BFF, qu'au final il nous ait montré trois illustrations où il y avait des scènes, et que le reste du truc ce soit que de l'art déco à la William Ball. Mais si tout est dans le même univers et dans le même jus que les trois qu'il a montré, je pense que je peux craquer pour le bloc BFF également. Pareil, je n'ai pas le tome 1 affiche mythique, mais il faut voir avec la taille. Pour les tailles, bah ouais, c'est ça, Pretty. J'ai trop peur que ce soit petit, tu vois. En plus, moi, j'adore toutes les affiches vintage et tout, un peu. Donc j'aimerais vraiment bien l'avoir, j'espère. Il y avait... mince. Lissicolo, qui le vendait sur son... Vinted, mais bon, je pense que j'ai même pas été voir, parce que je l'ai vu très tard. Donc je pense qu'il n'y était plus. Et à un prix très raisonnable, elle le vendait à 13€. Et non pas 80, comme certains. Je sais pas si vous avez vu, mais quelqu'un avait mis son... une affiche mythique tome 1 à 80€. Et là, j'étais en mode, what? Le respect sur Vinted n'existe plus.
Toi non plus, t'aimes pas Il était une fois, Saphira? J'ai regardé, il y a pas mal de gens qui ont l'air surmotivés par ce carré. Écoute, tant mieux pour Hachette, hein. Tant mieux pour Hachette. Moi, j'ai peur de ça pour ce bloc, même s'il m'intéresse pas. Ouais, que les détails soient trop petits, hein. Mais j'ai pas capté, Priti, le pourquoi avec les pages, là. Bah non. Le livre dans le livre, il est pas droit. T'imagines? Non, je pense pas. Oui, c'est avec toi, Saphira. Ok, oui, c'était avec toi que j'en avais parlé. Oh non, non, mais je capte pas trop conseil. Moi, je suis partagée pour William Ball. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup dans son travail. Bah, moi, j'aime pas du tout ce qui est art déco, Saphira. J'ai le carré d'ailleurs, je l'ai toujours, je l'ai pas viré de ma collection art déco. Et vraiment, au début, j'aimais trop le style, etc. Et au final, je n'arrive pas du tout à aller dedans. Et en fait, ce qui m'a un peu saoulée avec l'illustrateur William Ball, c'est que par exemple, pour le En Famille tome 2, je pensais trop que ça allait être dans le même esprit que le tome 1 et qu'il allait avoir plein de scènes, etc. Et quand j'ai vu que c'était juste des personnages avec du art déco derrière, bah, c'est pas du tout ce que j'attendais pour ce bloc, tu vois. Et c'est pour ça que depuis, j'étais pas mal déçue par son travail. Pareil, je ne vais même pas regarder. Franchement, moi, je vais la regarder par curiosité pour me dire où est-ce qu'ils ont poussé le truc, les filles. Je vais regarder. T'as commandé les affiches, toi, déjà, Lorraine, t'as déjà craqué. Moi, je te dis, ce qui me fait peur, c'est vraiment les détails soient trop petits et que ce soit immétable en couleur, quoi. Donc voilà, j'attends. C'est un délit, je pense qu'il faudra que j'attende de voir en vrai. Sur... que je ne vais pas craquer pour... Voilà, moi c'est la seule... Ça et les deux mystères qui vont sortir, c'est les seuls trucs en mai, je ne suis sûre que je ne vais pas prendre. C'est un sapin à gauche. Ouais, attends, je vais te dézoomer. Yes. Là, alors pour moi, je vais vous dire comment je la vois, l'illustration. Là, on a les deux zigotos. Pour moi, ça, c'est un sapin. Avec un petit bout de ciel ici. Là, il y a le ciel. Là, il y a des nuages. Pour moi, ça, c'est des nuages. Je me suis dit que ce truc-là, ici, c'était de la roche. Et là, tout là, pour moi, c'est de l'herbe. Voilà. Je me suis dit que c'était comme ça. En tout cas, mes combos, je les ai notés en me disant que c'était ça. Par contre, j'ai aucune idée de comment je vais faire le tour. Je vais déjà faire tous les aimants à l'intérieur. Je verrai pour le reste après. Elle est dans ta tête, Priti. J'ai pas de cahier coloriage, j'ai juste des crayons de couleur bic. Et ça t'intéresserait, Laura, de faire un peu de colo? Tu penses que c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Parce que si c'est le cas, il n'y a pas besoin, tu sais, d'avoir énormément de crayons de couleur ou des crayons de couleur haut de gamme pour commencer. Hein. Un petit livre que tu peux trouver, si t'as pas envie de commander sur Amazon, tu peux en trouver dans les Fnac, dans les Cultura. T'en trouves un petit peu partout en librairie. Si t'as un Cultural Leclerc ou un Carrefour culturel ou je sais pas quoi, tu peux en trouver là-bas aussi. Tu peux tester cette activité pour pas s'en mettre beaucoup de sous à l'intérieur. Hein. Il y a des Mic Kids, ça va très bien pour colorier, pour débuter, Laura. L'art déco, moi, il ne m'intéresse pas, mais trop de noir dedans. Il m'intéresse, mais trop de... Ouais, voilà, c'est ça. Il y a déjà trop de pré-ombre, en fait. Moi, je sens que je vais précommander Le Méchant et l'Histoire Éternelle. Il va finir en rupture de stock. J'arrête de craquer pour les mystères, Saphira. Bah, moi, je vais pas précommander parce que j'ai trop peur, tu vois, que je le précommande et qu'au final, il me plaise pas. Et au pire, s'il est en rupture de stock sur Amazon, tant pis, j'irai le chercher, comme pour le Vitro, hein, j'irai le chercher en magasin. En plus, comme ça, ça me fera une sortie. Une sortie en dehors de ma ville, tiens. Ouh! T'avais déjà dit ça, Panda, tu l'as toujours pas fait. Allez, on va pas finir toute seule, cette Blanche-Neige. Parfois, c'est difficile à savoir c'est quoi dans les vitraux. Ouais, exactement, Sarah, des fois, c'est galère. Je t'avoue qu'avant de commencer, je me suis posée pour...
pour essayer de savoir quoi et quoi dans chaque case, quelle est... Enfin bref, vous m'avez compris, mais j'ai galéré. J'ai galéré. J'arrête de craquer sur les bouquins pour le moment. Prochain truc des crayons, mais rien d'autre d'urgent. Bravo Thalie, tu es raisonnable. Bravo, bravo. Ben, moi, les livres, c'est... Voilà, le matériel encore, vraiment, j'arrive à me limiter. Genre, mon dernier achat matériel, c'est les Artistro, et avant ça, j'avais craqué sur rien. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, j'abuse, depuis Noël, quoi. Et non, je suis assez contente. Par contre, attends, faut que je vous montre un truc, les filles. Faut que je vous montre un truc. Quand je dis les filles, mais s'il y a des garçons, je vous parle aussi. Hein. Tout à l'heure, parce que j'ai dû changer mon... Oh, je suis désolée, je vous ai fait tomber. J'ai dû changer mon signe blanc et je me suis rendu compte d'un truc. C'est vrai que je m'étais jamais trop rendu compte, mais à chaque fois que je vais à Cultura ou à... comment ça s'appelle? Bureau Vallée, j'ai tendance à prendre un signe blanc. Et donc, du coup, mais regardez le stock de signaux que j'ai. J'en ai beaucoup trop. J'ose même pas les compter. Encore, vous les voyez pas tous, mais j'en ai trop. Il y en a là, etc. Du coup, je pense hein, qu'il faudrait peut-être que j'arrête d'en acheter et que c'est bon, j'ai un stock. Pareil pour le Bosquet Noir, j'en ai plein. Bref, je sais pas ce que j'ai avec les signaux blancs. Là, vous les voyez pas parce qu'ils sont de l'autre côté. Mais vraiment, j'en ai plein, 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 plein. J'ai un problème avec le signaux blanc. Mais je sais pas, j'ai tellement peur d'en manquer qu'à chaque fois que je vais à Cultura ou quoi, je me dis, bon, bah allez, un petit signaux blanc, comme ça, je suis sûre de pas en manquer. Sauf que là, du coup, j'en ai plein d'avance. Je pense que je peux faire mon propre magasin de signaux blancs. Du coup, c'est le seul truc de matériel qu'il faut que j'arrête d'acheter parce que là, c'est bon, j'en ai pour 10 ans, quoi. Ça m'intéresse beaucoup, mais je sais pas quoi prendre comme livre de coloriage. Est-ce que tu es fan de Disney, Laura? Est-ce que tu aimes bien la nature, les animaux? Qu'est-ce que tu aimes bien un petit peu en matière de dessin? Toujours pas. Allez, bon bah allez. Il faut finir Blanche-Neige. Moi, si je veux un Cultura ou un Fnac, il faut que je fasse une heure de route, mais mon espace culturel à Leclerc n'est pas très fourni. Ah mince, Sophia, mince. C'est vrai que moi j'ai de la chance. Alors dans ma ville, j'ai rien. C'est-à-dire, je peux pas me dire à pied, tiens, j'allais faire un tour, voir si il y a voir les livres ou quoi. Mais allez, 20 minutes de route, j'ai un Cultura à 20 minutes de route. Et j'ai un Leclerc culturel à pareil 20 minutes de route à peu près de chez moi. Mais j'ai jamais été dans le Leclerc culturel. Enfin, j'y vais jamais, donc je sais pas du tout s'ils sont bien fournis ou pas. Bah notre duo, on sera sûrement mon premier, mon dernier fond, bah celle avec mince, etc. Mais je suis sûre que c'est pas si catastrophique que ça. T'as vu Laura, belle réserve, hein. Je pense que t'as tout ce qu'il faut effectivement. Non mais oui les filles, j'ai totalement arrêté. Ah oui, il faut que j'arrête avec les carnets aussi. Mais hé Gaëlle, tu vas être fière de moi. Tu sais quoi, la dernière fois que je suis allée à Paris, bon ça remonte un petit peu parce qu'avec le confinement, j'ai pas pu y aller ce mois-ci. Je suis allée à Emma et je suis ressortie sans carnet. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais oui, les filles, je vais arrêter avec le signe blanc. Mais vous avez vu, j'ai de quoi, hein. Si quelqu'un dans le 91 est en fan de signe blanc un jour, je peux le dépanner. Wow, on a eu deux explosions dans le parc à côté de chez moi, ça me fait trembler les murs de ma maison, je flippe. Quoi, Miss Lou? C'est bizarre, ça. Il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas de... Regarde, je sais pas, peut-être par ta fenêtre, s'il y a des pompiers, la police ou quelque chose comme ça, regarde un petit peu. C'est pour ça que j'ai pris 5 artistes au blanc. Oui, Panda, t'as bien fait. T'as vu, belle collection, Clément. Nature et animaux. Alors, dans ce cas-là, voilà, je suis pas forte en recommandation de livres de colo, mais en nature et animaux. Si, je sais ce que tu peux faire, Laura. Sur Amazon, tu tapes Jade Summer. Je vais te l'écrire dans le chat.
Voilà, tu tapes ça sur Amazon et tu vas tomber sur plein de livres de coloriage à quoi? Allez, il y en a entre c'est 7 et 6 euros et tu as plein de thèmes. Et tu vas trouver de la nature et des animaux, c'est sûr, et à des prix vraiment bas pour commencer, c'est vraiment bien. Dans le 95, proche de Paris, regarde, sur, je sais pas si t'as Twitter, Miss Lou. Si t'as Twitter, regarde dans le recherche, tu tapes 95 explosion pour voir un truc comme ça. Ou je sais pas si sur Facebook, y a pas un, genre, t'as le Facebook de ta mairie ou quoi. Oui, et oui, elle a raison aussi. Le Jungle Magique de Joanna Basford, Laura, elle a raison, Panda. Ça peut être pas mal pour toi. Ouais, pareil, j'espère rien de grave, mais sauf pour le moment, pas d'infos, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Bah, j'espère, c'est vachement angoissant. J'ai eu la même chose il y a un ou deux mois, quelque chose comme ça, dans ma ville, il y a eu une grosse explosion. J'avoue que j'avais un peu flippé. Et du coup, j'ai su que le lendemain, ce que c'était. Au final, c'était. Enfin. Si, c'était grave, c'était un coup de feu, mais pas. Enfin, bref. C'est glauque, j'ai dit, c'est rien de grave. Enfin, si, c'était un coup de feu. Mais je veux dire, c'était pas. Personne n'a tué personne. Donc ça va. Surtout, j'avoue que j'ai flippé. Ouais, tiens-nous au courant, Miss Lou. J'ai une passion pour les carnets, trousses, etc. de chez Emma. Je te comprends. Merci, là, merci. Tu vois, Gaëlle, il n'y a pas que moi. Tu vois, il y a d'autres gens comme moi. Je ne suis pas toute seule. Non, parce que vraiment, j'ai beaucoup de carnets. Genre, en face de moi, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de carnets. J'avoue, j'ai un petit problème avec ça. Mais merci, Kim. Je me sens moins seule. Il n'y avait personne depuis une heure dans le parc. C'est ça qui est bizarre. Ah, mince. Oui, effectivement, c'est bizarre. Après, c'est peut-être rien de grave, je sais pas, quelqu'un qui a fait des travaux ou quoi. Ça fait cracra nouveau. Oh non! Attends, mais c'est parce que. Oh, attends, voilà comme ça. J'avais remal mis mon casque quand j'ai été chercher mon truc, c'est pour ça. Pas de soucis, Laura, pas de soucis. Une boîte de Giotto pour commencer. Ouais, pourquoi pas. Après, elle peut commencer avec ses liquides. Hein. Il y a un truc qui fait beaucoup de bruit. C'est bon là, c'est mieux ou pas, Gaëlle? J'avais dû remal remettre mon casque. Normalement, là, c'est bon. Coucou, mamie, comment tu vas? Ta choucroute refait des siennes avec ton micro. Je suis désolée. C'est parce qu'en fait, quand j'ai été chercher mes signaux blancs pour vous les montrer, j'ai mal remis mon casque. J'espère que ça va mieux. N'hésitez pas à me dire, là, si ça fait... J'espère que j'ai bien imité le bruit. Le Jungle Magique était... Ouais, apparemment, Lorraine. Apparemment, tu l'as touché? Enfin, tu l'as vu en vrai, toi, Laura? Ça le fait toujours, mais punaise. Pourquoi? Attendez. Attendez deux secondes, je vais juste brancher, rebrancher déjà mon casque pour voir ça, donc je vais mute deux secondes. Et normalement, ça devrait plus le faire. Normalement. N'hésitez pas à me le dire du coup, mais normalement, ça devrait aller. Pas de soucis, Sarah, bonne promenade. Profite bien, oui, des petites 45 minutes qui restent de liberté. Profite bien, merci beaucoup d'être passé, c'est super gentil. Très bonne promenade à toi, très bonne fin de journée. Des gros bisous, il y a une prochaine fois. J'ai loupé, ça va bien. Ça va super, merci Mimi. J'ai loupé quoi par ta choucroute? Mais non, c'est parce qu'en fait, j'avais les cheveux détachés au début du live et du coup, ça faisait plein de bruit sur mon micro. D'ailleurs, autre investissement prochainement. Je dirais que quand je me suis lancée dans Twitch, j'ai pas investi beaucoup de sous
puisque bah, je savais pas si ça allait me plaire ou pas, donc j'avais pas envie de mettre beaucoup de sous. Mais du coup, je pense que je vais également prendre un micro, et comme ça, c'est plus que sûr que il y aura plus de problème de puisque le micro sera posé sur mon bureau, et donc il ne se baladera plus, parce qu'en fait là, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu, j'ai mon casque, et dans mon casque, vous savez, il y a comme un kit main libre, et donc du coup ça se pend, en fait ça pend entre, enfin bref, c'est un fil qui pend, et donc du coup fatalement, parfois ça rentre en collision avec mes cheveux, plein de choses, et donc du coup ça fait et j'espère que j'ai progressé hein, depuis le début de ce live en imitage de parce que je l'ai beaucoup fait, donc j'espère que j'ai pris du level en imitation. Mais ouais, normalement là ça devrait mieux aller, mais n'hésitez pas à me dire si ça le fait. Mais normalement là j'ai réattaché mes cheveux, j'ai rebranché, débranché pour être sûr que ce soit pas ça. Donc normalement ça devrait aller. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup. C'est bon? Ok, cool. Pas de soucis, Laura, t'inquiète, c'est normal, c'est normal. C'est bon, t'as compris, j'ai réussi à être claire, momie, tant mieux. Ou sinon, qu'est-ce que vous faites de beau, vous, à part Panda, qui normalement, j'espère, est sur sa blanche neige. Et Saphira, qui est en train de nous faire, je suis sûre, même si elle dit le contraire, un très beau colo dans un Airy. Je suis sûre que ce fond au pastel sec n'est pas une si grande catastrophe que ça. C'était très réaliste. Ah, merci Clem. Je suis. Si jamais je veux me lancer dans une carrière d'imitation, maintenant je sais que je suis capable. Ça me motive. Ou un bruitage de film. Je trouve ça détend tellement de faire des vitraux. C'est trop bien. Oh, j'ai pas dit le contraire. Par contre, j'aime pas du tout faire. Ok, d'accord, si t'aimes pas le faire, Saphira. Ok. C'est juste t'aimes pas le faire, mais t'aimes bien le rendu. Bon, tu sauras que les pastels secs, c'est peut-être pas pour toi. J'ai trop hâte de voir ta version, Saphira. Parce que je sais qu'en plus, tu vas partir dans des tons pastels et tout, et j'ai trop hâte de voir le résultat. Tu vas bientôt aller promener ta chienne, Laura? Ouais, j'étais en train de demander, mais oui. Parce que moi j'ai pas de chien, mais du coup on a le droit de les promener après. Enfin, ça rentre dans les excuses pour. Enfin, les raisons pour promener après 19h. T'es pas obligé de faire tout. Bah non, c'est horrible, sinon les gens qui travaillent ils pourraient pas sortir leur chien. Donc ça peut être ma question finalement. Ma question est très bête. Je cuisine des gaufres des joies. Oh Lorraine, la chance. Oh, ça doit être si bon. Bon, par contre, j'ai pas le droit de me plaindre parce que. J'ai de la chance. Mon papa se met à la pâtisserie en ce moment et c'est un plaisir. Et il nous a fait du flan ce week-end. Et c'était bon. C'était super, super bon. Et en plus de ça, ma maman a fait un gâteau hier, ce qui fait que j'ai eu deux gâteaux en l'espace d'un week-end. Donc bon, ça peut pas être la fête tous les jours. Là, des gaufres là. Ça doit être trop bon, Lorraine. J'ai fini mes cours pour le spring. Je finis mes encours pour le Spring Coloring Challenge. Ok, c'est cool, Clem. T'es dans quel livre, du coup? T'as choisi quel livre? Il n'est pas si moche que ça et le rendu est passable, quoi. Mais moi, je suis sûre qu'il n'est pas moche, Saphira. Au vu de ce que tu fais habituellement, ça ne peut pas être moche, Saphira. Impossible qu'un de tes coloriages soit moche. J'ai trop hâte de le voir. Devant la télé posée, je suis contente, j'ai fait une heureuse en donnant des coloriages de Fabiano Attanasio version Harry Potter à une petite puceuse. Trop bien! Trop bien, trop bien, Moumi. C'est trop chouette. Tu te réveilles doucement, t'émerges, Gaëlle. Mais attention, enfin, tu vas pas réussir à dormir sinon, après. Parce que techniquement, pour être en forme, là, d'ici... D'ici quoi, les 2-3 heures, faudrait que t'ailles dormir. Ah ouais, la pâtisserie, mais moi autant vraiment j'ai pas trop la patience et tout pour cuisiner, du coup pour faire des choses assez longues, enfin qui prennent beaucoup de temps. Ah t'as vu, j'ai été gâtée, Laura. Hein. Mon homme est pâtissier et parfois il me ramène des éclairs. La chance. Bon, moi j'ai Gaëlle qui est pâtissière, mais non, elle me ramène jamais de choses du travail, Gaëlle.
Gaëlle, en rentrant du travail, elle me dépose jamais de pâtisserie. Bravo, merci Gaëlle. Oh, la pâtisserie, enfin, je comprends plus d'un mot sur deux. Je viens de finir un dans le 50 spring. Dans le spring miniature, là je finis un spring mini. Ah oui, ok, je vois. Et j'ai un en cours dans un Mariatroll. Alors ces livres-là, au départ, je les aimais beaucoup. Mais là, je l'ai mis à vendre, d'ailleurs, sous mon bitaine, mon spring, je sais plus, pas pareil, de cet été, je trouve ça tout un triste là. Parce que finalement, c'est pas mon style et je me rends compte que je vais pas dedans. Et j'ai vraiment choisi mes livres en disant, si je les découpe et que je les réimprime sur du bon papier, est-ce que je vais aller dedans? Et celui-là, je me suis dit, non, je pense pas. Donc, il est sorti. Ah mince, la sieste n'était pas prévue, Kaga. Ah ouais, ça j'ai déjà lu. Des fois, je me dis quand même, quand je vois la chute de J'aime, je suis passée de 117 sur mon carby à 117 sur mon Oliver à 25 sur un carby. Après, tu sais, Safira, faut vraiment pas du tout, même je dis pas ça que pour toi, faut pas du tout se fier au J'aime sur Instagram. Mais vraiment pas, parce que déjà, l'algorithme Instagram, des fois il va faire qu'il va mettre vos colos en avant, des fois non, des fois oui. Je suis en train de l'étudier en ce moment. En ce moment, je prends des cours un petit peu je prends des cours un peu sur de marketing, etc. pour mon entreprise à moi. Et on parle pas mal de l'algorithme Instagram qui déjà est pas forcément évident et qui parfois décide de ne pas mettre certains comptes en avant. Enfin bref, c'est tout un bordel pour cet algorithme Instagram. Et donc ça dépend aussi de l'heure à laquelle tu le postes, Safira. C'est-à-dire que des fois, tu vas le poster à un moment de la journée où les gens ne sont pas connectés et du coup, ils vont tout simplement pas le voir. Mais enfin, faut vraiment pas vous remettre, là je le dis vraiment pour tout le monde, faut pas vous remettre en question par rapport aux j'aime que vous avez sur Instagram déjà, parce que le principal c'est que ça vous plaise à vous et pas aux autres. Mais c'est surtout que vraiment ça veut rien dire Instagram, moi-même. Alors déjà je sais qu'il y a eu un changement sur les trucs et normalement je pense que qu'il doit avoir... Il y a une grande majorité des gens en ce moment qui ont moins de j'aime sur leurs publications et moi je le vois sur mon compte colo. Pareil, je suis passée de 500 à, je crois, une centaine sur un de mes posts. Alors, ça peut aussi venir du fait que ça plaise moins, mais c'est aussi vraiment que l'algorithme Instagram ne met pas forcément en avant vos posts. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas vous en faire, hein, et pour pas faire attention au nombre de likes, etc. Ça vient pas forcément de vous, mais ça vient peut-être de Insta. Voilà, tout simplement. Je me dis, je colorie trop mal maintenant. On me dit merci Insta. Mais non, Safira, pas du tout, vraiment pas. Vraiment pas. Je te le dis, il y a des grandes chances pour que ça ne vienne absolument pas de toi, mais de Instagram. Et très sincèrement, voilà, si vous voulez aller faire un tour sur son Instagram à Safira, c'est exactement le même nom que son arrobas ici. Elle fait de très jolies choses. Et donc, je suis persuadée que ce n'est pas Instagram, que ce n'est pas toi qui est remis en cause, mais que c'est plutôt l'algorithme Instagram. En plus, on parle de ça, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps des stories d'une personne qui disait exactement la même chose que toi, Safira, qui disait que c'est j'aime. Et la visibilité de cette publication avait chuté vraiment de fou. Donc tu n'es pas la seule. Je suis obligée de faire à manger pour ma chienne. Tu vas lui faire quoi de bon, Laura? C'est parce que les Disney sont plus grand public, c'est pas lié à la beauté de tes colos, je pense. Ouais, il y a ça aussi, Clem. T'as peut-être une communauté sur Instagram qui est plus Disney que hors Disney. C'est également possible. Moi, je sais que j'ai toujours plus de j'aime sur mes hors Disney que sur mes Disney. Moi, c'est l'inverse. Juju, on n'a pas le droit de sortir en ce moment. C'est totalement pour ça que je te ramène plus rien depuis 3 ans. On n'a pas le droit de sortir en ce moment. C'est totalement pour ça que je ne te ramène rien depuis 3 ans. Bien sûr, Gaëlle. Bien sûr. Ah, raté, il doit avoir un bug. Je sais pas trop en ça, en fait, c'est bizarre. Oh, je n'y fais pas attention que ça, mais quand même, ça me fait bizarre ce passage. Ouais, mais je comprends, Safira. Mais je te dis, moi-même, j'ai vraiment des grosses chutes, des fois. Des grosses chutes sur mon compte coloriage. Après, tu peux voir à quel moment les gens sont plus actifs. Généralement, c'est le soir.
Essaye de publier déjà le soir. Peut-être que ça. Oh non, c'est pas ça du tout que je voulais faire, dame. Peut-être que ça changera aussi. Je te dis, ça dépend de l'heure à laquelle tu publies, de si Instagram est de bonne humeur avec toi et qu'il se dit je vais la mettre en avant. Ça dépend vraiment de plein de choses. L'algorithme Instagram est super complexe. C'est pas comme TikTok, parce que du coup il vous dit j'étudie un petit peu en ce moment. Tout ça. TikTok, l'algorithme, il est super simple à comprendre, alors que Instagram, vraiment, c'est le pire. Je comprends, Safira, ça fait pareil. Mais oui, l'algorithme n'est pas top parfois, exactement, mamie. Non, non, t'inquiète, je ne fais pas attention, je blague en me disant que je ne sais plus colorier, pas du tout. Moi, mes colos me plaisent, alors tout va bien. Insta, c'est vraiment pour le partage que je fais, que je n'ai personne autour de moi qui colorie. Bah, exactement, Safira, moi, je suis pareil. J'ai personne autour de moi qui colorie et qui partage cette passion. Donc, c'est pour ça que j'ai créé mon Instagram. Et du coup, ça me permet d'échanger avec vous. Et c'est juste trop, 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 trop cool. Mais c'est clair que quand Instagram décide. J'ai perdu un de mes crayons. Ah non, pas du tout. Je suis juste bigleuse. Pourtant, j'ai des lunettes sur le nez. Hein. Que quand Instagram décide de ne pas mettre vos publications en avant, bah c'est pas top. Il y a un truc que je comprends pas sur Instagram. Quand je mettais des hashtags, ils n'étaient pas surlignés. Et maintenant, si. Est-ce que t'en mettais plus de 30, Momi? Parce que quand tu mets plus de 30 hashtags, il t'enlève tous tes hashtags automatiquement parce que c'est la limite et à 30. Donc faut faire attention à ça. T'iras faire un tour, Lorraine, c'est trop cool. Bon, ça y est, tu as quelques j'aime de plus, tes colos sont superbes. Tu vois qu'à Safira, c'est vrai, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux ces colos. C'est vrai que je vois quasiment plus tes colos sur Insta. Bah ouais, ouais, bah ouais, je te dis, c'est l'algorithme Instagram qui est pas forcément foufou. Comme ma chienne ne supporte pas les croquettes, je suis obligée de lui faire à manger pour qu'elle se nourrisse. Tu peux passer au bar sinon, Laura? Non, moins de 30 toujours, c'est pour ça que je comprends pas. Ah oui, effectivement, c'est bizarre, Momi. C'est bizarre, c'est bizarre. Sérieux? T'as bientôt fini. Je crois que t'avais plus que la phrase à faire, Saphira, si je me trompe pas. Franchement, quand on finit un quart du Rosanne. Il y a de quoi être fier. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Kirby. Très longtemps. Et d'ailleurs, j'hésite à faire quelque chose que. Voilà, si vous me suivez, vous savez que pour l'instant, je n'y arrive pas. Mais je vais essayer peut-être demain, ça dépend de mon humeur. Déjà, il faut que je trouve un autre pot. Je sais pas, mais vous savez, j'ai les pots Ikea pour ranger mes crayons. Et j'ai une disserte où j'en ai plein. Et du coup, je pense que je vais virer mes stabilos de pot en pot, les mettre dans une trousse. Et essayer d'avoir un autre pot et je vais tenter d'avoir un autre en cours en même temps. Et je me dis pourquoi pas avoir un Disney et un hors Disney pour pouvoir alterner les deux. Je vais tenter et je vais voir si cette organisation peut me convenir. Parce que je trouve ça quand même dommage de me limiter en faisant un à la fois. Je pense que ça peut être cool d'en avoir deux, un Disney, un hors Disney. Et je vais voir si ça me convient. Ok, Laura. Bah, si ça lui convient, tant mieux. Hein. Bon, il me reste encore quelques roches et la phrase. Ok, Saphira. Et là, j'attends une copine pour publier un duo. J'ai deux colos en attente, c'est top. T'as de magnifiques voix, ouais, tu vois, Laura, ils sont trop beaux. J'en ai des Kirby, mais je suis encore jamais lancée, Lorraine. Moi, je m'étais lancée dès que je les avais reçus. Et j'avais adoré, adoré, adoré. Qu'est-ce qui te fait de peur, Lorraine? Enfin, je sais pas, ça te fait. C'est juste que l'univers te parle pas en ce moment ou tu te dis juste oh mince, ça va me prendre trop de temps. Pour moi, j'ai toujours au moins 2 en cours parce que les Kirby sont très compliqués et ça me permet de faire des pauses pour ne pas saturer. Ouais, bah c'est ça, tu vois. Après, moi, c'est pas forcément. J'ai pas forcément des en cours très très longs. Oui, c'est bon, j'ai la bonne couleur. Mais c'est pour pouvoir, tu vois, par exemple, avoir un Disney, un hors Disney et pour pouvoir mixer les deux. Et même pour vous, en stream, ça peut être intéressant de voir un jour une fois du Disney, une fois du hors Disney. Parce que par exemple là, normalement, mon prochain stream, j'ai pas envie de vous dire demain parce qu'il y a de grandes chances pour que ce soit pas demain, mais plutôt jeudi. De toute façon, comme d'hab, le meilleur moyen de savoir, c'est de me suivre sur Instagram pour, je vous le dis en début de journée. Mais je pense que non, sur jeudi, quasiment sur jeudi, je pense pas que j'aurai fini celui-là, et donc peut-être que ça sera pas intéressant de voir
de voir toujours le même. Donc peut-être pourquoi pas passer sur un autre et comme ça, ça vous changera un petit peu. Du coup, en fait, Lorraine, merci pour l'info pour les. Parce que vraiment, je cherchais quelqu'un qui avait testé les prismas blancs sur Amazon US. Du coup, même s'ils sont, ils ont un peu augmenté, je vais les commander puisque ça reste quand même moins cher que de les prendre à l'unité sur un autre site. Si vous êtes motivé, je suis toujours intéressée par un duo dans un Kirby. Pourquoi pas, Saphira? Pourquoi pas? Je te dirai ça quand j'aurai sorti déjà de celui-là et je pense que je vais faire un Maria Troll après. Mais un peu plus tard, je te dirai. T'as lesquels, Saphira, de Kirby? Les détails, ça va être long. Après, pourquoi pas, comme le disait Saphira, faire un encours, deux encours. Peut-être que t'aimes pas fonctionner comme ça, Lorraine, mais avoir un colo Kirby comme ça et d'autres, je sais pas, des mystères ou des choses un peu plus simples à côté pour ne pas saturer. Tous, je suis une grande fan. Bah moi, non, il y a le Animorphia et le Imagimorphia que j'ai pas. Je vais juste regarder vite fait sur Google Images. Je sais plus si là, c'est de quelle couleur c'est. Tac. Frère des ours. C'est vraiment un truc de fou. Sur un, il est roux, sur l'autre, il est brun. Il n'a jamais la même couleur. Bon, et non, ça m'a l'air d'être tout uni. Sa fourrure m'a l'air d'être unie. Yes, c'est bon, c'est uni. Mythographia, j'adore. Et ces derniers. Bah, je suis pareil, Momi. Moi, j'ai le Mythomorphia. Ah non, j'ai aussi. Vous savez, l'édition du. L'édition du Fantomorphia, mais où est-ce qu'il y a les deux dedans? Bon, au pire, je vais faire ses bras. Comme ça, je me pose pas de questions. J'ai l'édition du Fantomorphia où il y a et le. Il y a le. Mince, le Géomorphia dedans. Donc, oui, j'ai celui-là. Donc, j'ai le Fantomorphia, Géomorphia, Mythomorphia. Le World Within World là, je sais plus comment il s'appelle, et le dernier Fragile World. Pareil, je suis une grande fan des Kirby, j'aime beaucoup ce style, et encore plus particulièrement les deux derniers. Vraiment, les deux derniers, c'est des gros gros coups de cœur. Kinaï est plus clair que Kota. Ouais, ça j'avais vu. Mais ouais, il y a que lui là, sa petite fourrure ici, elle est beige. Mais je me suis fait avoir avec le papier sur les derniers. T'avais pris l'édition plume, Momi? Moi, la carte bleue est déjà prête pour son prochain. Est-ce que tu sais... Je sais que ça va être un truc avec des créatures mythologiques, etc. Ça fera, mais j'arrive pas à trouver quand est-ce qu'il sort. T'avais pris quoi comme édition, Momi? Parce que moi, pour le... Pas son dernier... Oh, bêtise. Bon, tant pis, je vais masquer ça. Pour son avant-dernier, j'avais pris l'édition Plume, et là, grosse déception. Du coup, je l'ai racheté en édition Marabout, et il est plutôt bien pour l'instant. Je vais tester un petit peu, il est plutôt bien. J'avais été très très déçue par l'édition Plume. Tu les as en quelle édition, toi, Saphira? Ah bah en fait, je demande ça et t'as déjà répondu, c'est magique. Ah, c'est 2022. Ah, punaise, moi je pensais que ça allait être rapproché, tu vois, et qu'il allait... Je pensais que ça allait être cette année.
Ouais, bah pareil, du coup, j'ai en Lomart le Fragile World et celui d'avant, j'ai mince, comment ça s'appelle? En. Je trouve plus mes mots. Bon, bah, je trouve plus mes mots. J'en ai deux en édition russe. Et à qu'est-ce qu'elle vaut l'édition russe, Lorraine? Fragile World, Lom Art et le WW Plume. Et du coup, t'es déçue pour la qualité du Fragile World, Momie? Parce que moi, je trouve que ça va. Oui, moi, j'ai le Mythomorphia en édition Plume. Je suis très contente de cette édition Plume-ci. Mais celui, c'est à partir de son avant-dernier, là, qu'il a sorti, le World machin, que la version Plume s'est totalement détériorée et que je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur papier. Mais juste, c'est pas possible, quoi. Ouais, j'entends pas mal parler, Lorraine, de cette édition russe. J'ai aucune idée de ce que ça vaut, surtout qu'elle vaut vraiment pas cher, quoi. Apparemment, bah pour le plume, ouais, pour les plumes, c'est exactement ça, Momie. C'est que ça supporte pas l'eau. Faudrait que je fasse des tests sur le Fragile World. Non, le Fragile World, je suis quasiment sûre que ça passe plutôt sur le WW là. Que du coup, ouais, j'ai en édition, comme je vous l'ai dit, Marabout. Je vais faire une pause glouglou. J'ai soif. J'ai pas colo du coup encore. J'ai pas colo dedans du coup encore. Dans le Fragile World, j'ai déjà fait aquarelle dedans, mais il faut vraiment y aller doucement. Bah, c'est ce qu'ils disent. Il y a une vidéo de Rose Courante sur YouTube qui explique les différents papiers. Ouais, j'ai vu ça, Momie. Il faudrait que je la regarde. T'avances pas sur ton fond, Saphira? Mince. Allez, courage, courage, courage. Tu as une préférence entre le Disney et le hors Disney? Avant, je t'aurais dit que je préférais le hors Disney. Maintenant, depuis quelques semaines, mois, ouais, peut-être depuis un mois, quelque chose comme ça, je me suis remis au Disney et je prends un grand, grand plaisir à les mettre en couleur. Donc, du coup, maintenant, je ne saurais plus te répondre. Mais avant, pour sûr, j'aurais dit hors Disney. Maintenant, c'est compliqué. Je ne sais pas. Et vous, ça m'intéresse de savoir ça, vous êtes plutôt Disney, hors Disney. Toi non plus, t'es pas encore allé dans le Fragile. Moi j'y suis allée, franchement ça va, hein. Le papier est pas mal. J'ai rien testé d'aquarellable. Faudra que je teste la prochaine fois. Bah tu sais quoi, Saphira? Je finis mes trucs et on aura qu'à se faire un duo dans le Kirby, comme ça tu l'attaqueras. Si t'es ok. Pas de préférence non plus, Saphira. T'as trop peur de le rater, Momie? Mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je suis sûre que je ne raterai pas. Bon, attendez, je vais mettre ma veste de grand-mère parce que j'ai froid. Aïe. Donc, tac, tac, tac. Donjujmi, si vous voyez dépasser. Non, c'est bon, vous le voyez même pas.
où est-ce que je vous l'ai dit? Pourquoi est-ce que je vous l'ai dit? Vous ne vous seriez même pas rendu compte que j'ai mis une veste de grand-mère pour pas avoir froid. Ça aurait pu passer inaperçu, mais il a fallu que je vous le dise avant. C'est comme si on me demandait si je préfère mes crayons ou mes feutres à alcool. Impossible de choisir, du coup. Là, moi, je te dis vraiment, il y a quelques mois, j'aurais répondu hors Disney. Mais maintenant, je ne saurais pas. Je regarde mon téléphone parce que normalement à cette heure-là, j'ai une publication qui se publie sur mon compte pro. Parce que toutes mes publications elles se programmaient. Du coup, je vérifie que elle ait bien marché. Je vérifie ça tout de suite, que ça s'est bien mis en ligne. C'est toujours mon stress que ça marche pas. Mais non, c'est bon, ça a très bien marché. C'est ok. Ça dépend des périodes, mais en général, j'essaye de varier. Toujours partante, allez, cool. Vous, si vous voulez faire... on va faire un Kirby ensemble. Est-ce que vous avez Instagram, Lorraine et Mommy? On ne voit pas, mais on sait que t'es habillée en grand-mère. Mince, je me suis trahie. Ouais, Mommy et Lorraine, n'hésitez pas à dire si vous avez un Instagram, comme ça on pourra se mettre d'accord et se montrer nos avancées. Tu as un chat et tu bois du thé à 4, on le sait que tu es une grand-mère. C'est pas vrai, Gaëlle, t'es méchante. Je suis pas une grand-mère. Est-ce que les grand-mères, ça fait des randonnées? Non. Ça fait pas des randonnées, des grand-mères. Elle serait même pas capable de lever trop la jambe pour faire une randonnée, donc je suis pas une grand-mère. Coucou Val, comment tu vas? J'espère que ton lundi, ça a bien débuté. Attendez, du coup, bah vas-y, mets-moi ton Instagram. Lorraine. Mommy, je vais faire un copier-coller pour te trouver tout à l'heure. Et comme ça, je créerai un groupe avec vous et Safira. Et on se fera un Kirby. Comment on fait pour rajouter une note? Allez. Insta. Du coup, Safira, j'ai déjà, Mommy Colo. Et les gens, du coup, il y en a parmi vous qui veulent nous rejoindre pour refaire un colo dans un Kirby, n'hésitez pas à nous donner votre Instagram là. Et je vous rajouterai. Attends, je vais... Ah oui, c'est vrai, Lorraine. Donc normalement, je t'ai. Mais attends, je vais te rajouter ton nom ici, comme ça. Je vais pas t'oublier. Lorraine. Safira. Mais il n'y a rien de mauvais à être une grand-mère. C'est vrai. Toutes les grand-mères qui nous regardent, on ne vous juge pas. Et je ne suis pas une grand-mère. Je fais des randonnées. Est-ce que les grand-mères, ça joue aux jeux vidéo? Je suis sûre que les jeux grand-mères, ça farme pas. Hein. Parce que moi, je ne sais pas faire un groupe à me faire. T'inquiète, Afira, je vais le faire. Ça va, je fais une pause sur le Kirby. Ma sœur veut le faire aussi, donc je laisse me rattraper. Là, tu as pris de l'avance, donc Val. T'as colorié trop vite? C'est lequel du coup de Kirby? Bon, on se mettra d'accord, Mommy, on verra. Bah, quoi que, attends, on avait dit peut-être le Fragile World pour que vous puissiez le démarrer. De toute façon, je suis plus vieille que toi. Je crois que c'est Gaëlle, elle parlait en mode grand-mère, parce que c'est vrai que j'ai tendance à me coucher un petit peu tôt, je bois beaucoup de thé. Je suis pas une grand-mère. Une grand-mère, ça joue pas aux jeux vidéo. Ça fait pas de randonnée. Est-ce que ça stream? Je me demande qui est ce nom, c'est quoi? Quelle est la personne qui... Est-ce que vous pensez qu'il y a des streamers de 80 ans? C'est sûr. Lulu, stop, arrête de miauler. En plus, je suis sûre que t'as déjà eu à manger. Oui, c'est vrai, j'ai colorié un peu vite, je le reconnais. Merci Gaëlle, merci de reconnaître que je suis pas une grand-mère, ça me va droit au cœur.
Ça fait rien. Alors en ce moment, je suis sur un jeu d'horreur qui s'appelle un jeu d'horreur. Il fait pas peur, mais il a été conçu comme jeu d'horreur qui s'appelle The Little Nightmare 2, que j'aime beaucoup. Et sinon, Stardew Valley, Animal Crossing, et également, il faudrait, je dis bien, il faudrait dans un avenir proche, que je pourrais craquer pour le Story of Season que j'ai vu passer. Sur plusieurs comptes, sur plusieurs chaînes Twitch, et qui a l'air vraiment pas mal. C'est possible que je craque sur ce jeu-là dans peu de temps. Tu vois, mon Insta, tu pourras m'ajouter au groupe, c'est plus simple. Les Kirby à plusieurs, ouais, pas de soucis. Attends, j'ai ton Insta. Oui, j'ai ton Insta, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Attends, je vais le noter. Val V. Ok, pas de soucis, momie, pas de soucis, on te tient au courant. Juste après le live, je créerai, j'ai noté là, du coup, là pour l'instant, on est 5 en me comptant. Je le créerai juste après pour qu'on se mette d'accord sur le Kirby qu'on va faire. Pas de soucis, merci beaucoup, beaucoup d'être passé et d'avoir participé. Très bonne fin de journée à toi, je te souhaite une bonne soirée, des bisous et à bientôt. Et bah, de toute façon, à tout à l'heure, vu que je vais créer le groupe Insta pour le Kirby. Elle a quel âge, Gaëlle? Tu connais pas du tout le dernier, Saphira? Story of Season, ouais, c'est un jeu de ferme. C'est un jeu de ferme. Et il a l'air vachement bien. C'est un jeu de gestion de ferme. Petit bisou. Non, vraiment, encore merci d'être passé, momie. Une grande bave, c'est génial ce pseudo, j'adore Gaël, merci pour cette info. Tac. Je tourne vite en rond sur ce genre de jeu, je pense que ça doit être sympa à plusieurs. J'ai pas l'abonnement... comment ça s'appelle? J'ai pas d'abonnement Nintendo, du coup je peux pas aller voir les autres îles des autres, etc. Après je t'avoue que moi j'adore les jeux de farm. Je trouve toujours un truc à faire. Vraiment, je suis totalement accro. J'ai mes périodes, là en ce moment ça va, je suis pas trop dedans. Mais quand j'ai mes périodes, je peux vraiment y jouer très 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 longtemps. Mais je suis une malheureuse personne qui colo ou personne qui veut jouer avec moi. Oh, Saphira, mais nous on va colorier avec toi. Je peux pas jouer parce que j'ai pas l'abonnement Switch. Mais on va colorier avec toi. T'inquiète pas. Bah, je trouve pas son âge, mais tu regarderas sa tête. Je dirais au moins 70. Elle fait du gaming, ce serait génial qu'elle fasse du gaming. J'adorerais qu'elle fasse du gaming. Si tu me dis qu'elle fait des jeux. Qu'elle fait pas. Ou non. Vous savez ce qui serait génial, c'est qu'elle fasse des ouvertures de cartes Pokémon. À 70 balais. Ce serait génial. Je trouve secrètement, j'espère qu'elle fait du gaming. Je te demande même pas la nationalité, c'est une américaine, c'est sûr. En ce moment, je suis en train de refaire Je récapitule. Moi, en ce moment, je suis en train de refaire le Ratchet & Clank. Super. Je connais pas ce jeu, c'est un jeu de quoi? Il y a Miyamoko Mori, 90 ans aussi. Mais c'est génial! C'est trop bien. Bah, en vrai, c'était sûr qu'il y avait des streamers... mince, mais vous voyez même pas ce que je fais. C'était sûr qu'il y avait des streamers d'un grand âge, on va dire. Faut que 70, ça va. Mais 90 ans... Le papy, il stream, c'est génial. Jeu d'action d'aventure, c'est génial! Ça doit être top. J'aime bien, bah, tu vois, The Night Little Mare, là. Je le placerais plus dans un truc comme ça, mais avec... Ah, tu connais, Gaël? Putain, mais moi, je connais pas du tout. Je le placerais plus dans ça que dans un jeu d'horreur. T'as des petites énigmes, tu fais des petits trucs, etc. C'est trop bien.
Je suis dans le coin, hein, mais vu que certaines sont pressées de voir la Blanche-Neige. Ah, bah oui, on est pressé de voir la Blanche-Neige, Panda, on est pressé. Parce que vu déjà juste le personnage comme c'était beau, ça promet d'être magnifique à la fin. C'est un vieux jeu qui date de la PS2, c'est pour ça. Ouais, c'est peut-être pour ça que je connais pas, mais après, j'étais née hein, quand il y avait la PS2, moi quand même. Hein. Erika Argel, elle a le même âge que moi, elle connaît. Non, un jeu en ce moment qui fait envie, mais sur. Sur comment ça s'appelle? Sur PC. C'est un jeu de gestion de zoo. Ça s'appelle Planet Zoo. J'ai trop envie de jouer à ça. Et quand j'aurai la fibre, je pense vers. Allez. Normalement. Je dis bien normalement. En août. J'ai la fibre normalement en août. Voilà. Peut-être que je ferai un petit peu de jeu vidéo, mais pour l'instant, c'est impossible. Ma connexion ne le supporterait pas. Pendant le confinement, PS4 nous l'a offert, donc j'en ai profité. Ah, et bien écoute, bah c'est comme... Bon, nous, ils nous l'ont pas offert, on l'a payé, mais... nous, on s'était pris... je crois que Gaël t'avait profité aussi, mais... c'était les Sims qui était vraiment pas cher pendant le confinement. Oui, il a l'air trop beau, Planet Zoo, mais je suis trop accro à mon zoo, t'es conne. Je capte pas ça. Mais oui, Planet Zoo, il a l'air trop bien. Bonne soirée, Lorraine, à bientôt. Merci beaucoup d'être passée, c'était super gentil. Merci à toi d'avoir participé. De toute façon, on se revoit après le live. Je créerai le groupe Facebook, n'importe quoi. Le groupe Instagram, comme ça on verra pour le Kirby. Écoute, très bonne soirée à toi et merci d'être passée. Des gros bisous et à bientôt. Le groupe Planet Zoo, il a l'air top. J'ai découvert ça... sur le stream de Jill, je pense que peut-être certains la connaissent. Elle est assez connue dans le milieu du jeu vidéo. Et je me suis trompée là. Non, c'est bon. Et si je me suis trompée, mais je suis emboulée. C'est pas facile tous les jours. Hein. C'est pas facile tous les jours d'être emboulée. Je sais plus si toi t'avais joué pas mal aux Sims, Gaël. Merde, oui, forcément. Parce que si on aime bien les Sims, je pense que Planet Zoo, ça pourrait être ta cam aussi. De gérer un zoo, là. Mais ça a l'air compliqué, par contre, sur Planet Zoo, de faire un truc propre, enfin, de faire un truc beau. En fait, peur d'être déçu, j'aime beaucoup mon zoo Tycoon, alors je redoute parce que j'en ai déjà fait le coup, les Sims 3 et les Sims 4, qui m'a pas mal déçu. Bah, tu vois, bah, il y avait Gaël, exactement pareil. Pendant le confinement, on s'était pris les Sims avec Gaël et d'autres copines, et pareil, j'ai dû y jouer 2-3 fois. Voilà, j'ai honte. J'ai honte. Mais je me dis peut-être que si un jour on se fait une session Sims en live, ça peut être pas mal, ça peut être très drôle. Au fait, il y a plus le crush. Trop de jeux déjà, bah ouais, faut encore que tu joues à Stardew Valley parce que je te pose pas la question, mais je suis sûre que tu l'as pas encore commencé, Gaël. Donc je reste sur mon Sims 3. Je me rappelle plus, moi c'était lequel, j'étais totalement accro à un des Sims, je me souviens plus lequel c'était parce que ça fait vraiment un moment que je n'y ai pas joué. Voilà, j'en étais sûre, Gaël, j'en étais sûre. Je n'ai pas eu le temps, désolé. Rappelle-moi, Gaël, quand sont tes congés. C'est mercredi et jeudi, c'est ça? Mercredi et jeudi. Non, j'avoue. Bah bon, bah ok, d'accord, ok, j'avoue. J'avoue, tu m'as bien lu, Gaël. J'ai pas commencé à faire une blague. Donc effectivement. Ah mais c'est clair, Safira. Ah j'aimerais bien jouer aux jeux vidéo. Enfin bon, déjà faut que je fasse mon travail déjà, dans un premier temps c'est bien. Mais généralement mon boulot si j'arrive... on est à égalité exactement. Si j'arrive à finir en milieu de journée,
c'est-à-dire vers 15h, quelque chose comme ça, c'est déjà top. Et donc du coup, je peux profiter pour mes autres passions. Et le problème, c'est que du coup, il n'y a pas assez de temps malgré ça. Donc les gens qui ont un boulot, on va dire, avec des horaires normaux, je ne sais même pas comment vous faites, parce que moi déjà, voilà, j'ai la chance de pouvoir planifier moi-même mes journées, ce qui fait que je commence à travailler très tôt pour pouvoir finir assez tôt, pour pouvoir me consacrer après à d'autres choses qui me font du bien et qui me font plaisir. Et ben même comme ça, même en m'organisant plutôt bien, et ben j'arrive pas à tout faire en une journée. J'aimerais bien lire, j'aimerais bien faire des jeux vidéo, j'aimerais bien colorier, streamer avec vous, faire des vidéos YouTube, bref, toutes ces choses que j'adore faire et qui malheureusement prennent du temps, et donc en une journée il n'y a vraiment pas assez d'heures. Sachant que forcément, vu que je me lève relativement tôt, comme je vous l'ai dit, parce que voilà, je suis quelqu'un qui est très productive le matin. Du coup, je me lève tôt pour pouvoir travailler essentiellement le matin, parce que je sais que c'est là que je vais faire le plus de choses et que je vais être le plus efficace. Ce qui fait que j'ai tendance à me coucher tôt en plus. Oui, c'est ça. Des fois, il faut travailler, Saphira. C'est quoi? Ouais, pareil, je connais pas. C'est quoi, Gaël? Je ne connais point ce jeu. Ah là, je comprends pas comment certaines personnes ont le temps de faire des millions de choses dans une journée. J'ai l'impression de rien avoir le temps de faire. Bah, moi, je trouve que, franchement, je trouve personnellement que je me débrouille pas mal. Mais après, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un travail ou un boulot qui fait que je peux... Enfin, je module moi-même mes journées, quoi. Donc si j'ai envie de commencer à travailler à 7h, je travaille à 7h. Si j'ai envie de ne me prendre qu'une demi-heure pour manger, je ne me prends qu'une demi-heure pour manger. Et comme ça, ce qui fait que j'arrive à finir assez tôt. Enfin, sauf à certaines périodes. J'ai des périodes, des fois, de rush, où vraiment, je finis pas avant... pas avant 20h, 22h, franchement, là, il y a une période au bout d'un moment en fin d'année où vraiment c'était le rush total. Et ouais, j'avais vraiment des très très grosses journées. Bon, en ce moment, ça va. Là, j'ai un petit peu plus de travail depuis ce début de semaine. Et ce, pour les jusqu'au mois de juillet, je vais avoir un peu plus de travail, mais franchement, ça va. Enfin, c'est gérable, je ne me fais pas non plus des journées énormes. Mais voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir moduler moi-même mes journées. C'est vraiment top. Et coucou Stello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que ton début de semaine se passe bien. Nous, là, on colorie dans le vitro. Enfin, moi. Donc vous faites bien ce que vous voulez. Mais moi, par contre, je colorie dans le vitro. Tome 2, je suis sur l'illustration des Frères des Ours. Le jeu plonge le joueur dans le futur. Toute l'année, toute la planète a été submergée par la mer et le joueur n'a... au début qu'un minuscule radeau plutôt. Le but du jeu est de survivre dans cet océan hostile, d'agrandir son radeau à l'aide de matériaux dérivant sur les flots de ce qu'il peut se procurer sur certaines îles ou sous l'eau. Ouais, en fait, c'est ce que j'étais en train de me dire, Gaël. J'étais en train de me dire, mais Gaël, tu décris super bien le jeu, enfin, le vocabulaire, etc. Et après, je lis la phrase d'après, oui, je copie-colle le résumé sur Internet parce que je suis sur la pire pour expliquer les choses. Bah, franchement, au bout d'un moment, Gaël, j'y ai cru et je me suis dit, mais elle en parle super bien quand même. Enfin, c'est... Et après, plus je lisais et plus je me disais, c'est pas possible, elle a copié-collé le truc. Et après, j'ai lu ta phrase et je me suis dit, oui. Non, en soi, le résumé me fait envie, c'est sur quoi, Gaël? Ça va, j'arrive tardivement, on revient d'une petite balade avec la puce. Oh, j'espère que t'as bien profité, Stello. Chez nous aussi, ici, il faisait beau. Et voilà, vu que j'étais pas mal, je me suis pas mal promenée hier, j'ai fait une grande balade dans la forêt et tout, c'était trop bien. Du coup, j'ai préféré aujourd'hui me consacrer à du colo pour mon temps libre, mais j'espère que t'as bien profité. Mince, mon crayon, oui, il est là. Il est là, le vilain. Merci d'avoir eu foi en moi et en ma capacité de description. T'as vu, Gaël? Sur PC? Bah, franchement, si, il me fait grave envie, donc si je peux y jouer. Parce que tu sais que... Sur PC, bah non, je suis sur Mac, et donc tu sais que c'est un peu galère pour moi de trouver des jeux qui sont compatibles. Du coup,
Si c'est compatible avec le mien, pourquoi pas? Oui, c'est cool, j'ai bossé jusqu'à 17h, du coup ça fait du bien. Et du coup, souvent le soir, une fois au lit. Moi, j'arrive pas à colorier le soir. Il n'y a que vraiment le week-end, du coup, où j'ai pu un peu plus dormir le matin, où j'arrive à colorier le soir, mais en semaine, vraiment, c'est impossible. Le soir, je suis juste mais explosée. Ce qui fait que... Lulu, stop! Stop! Elle a été insupportable aujourd'hui, mais j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque live. Donc je vais arrêter de le dire. Donc du coup, voilà, maintenant tu m'as coupé, Lucienne. Je sais même plus ce que je disais. Voilà, c'est malin. Ah oui, que j'arrivais pas à colorier le soir parce que je suis une mamie qui se couche assez tôt. Tout à l'heure, j'ai passé je sais pas combien de temps à vous démontrer que j'étais pas une mamie, et là je viens de dire que j'étais une mamie. Mais c'est vrai que pour ça, je me couche assez tôt vu que je me lève très tôt. Donc du coup, le soir, c'est capoute. Donc si, depuis que j'ai découvert la chaîne Dumbling Craft sur Twitch, enfin je dis ça, du coup ça va faire une semaine, samedi, je me suis posée devant son live et j'ai colorié, et c'était trop bien. Mais vraiment, il y a que le week-end où j'arrive à colorier le soir. Ça rend super bien, ça fait fourrure. Oh, merci beaucoup, Clem. Merci beaucoup. Je t'avoue que j'avais vraiment trop peur de me lancer dedans. Et encore là, je trouve que vous voyez pas le vrai résultat. Parce que vu que, comme je l'ai dit, le combo n'est pas de... Justement, est de moi. J'allais dire, n'est pas de moi, mais justement, il est de moi. Et que pour trouver des combos ressemblants, je suis pas très très forte. Eh bien je suis contente. Ouais, je pense que tu peux pas jouer à beaucoup de choses, mais si c'est compatible, je suis chaud. Bah, je vais regarder. Grave, on dirait que c'est le pire chat, Lulu. Non, mais c'est parce que vraiment, là, vous entendez pas ses miaulements, mais elle est derrière ma porte. Et elle est privée de chambre parce qu'elle a refait mine de pisser, mais je l'ai empêchée à temps. Et là, elle miaule, et elle a fait que ça, mais toute la journée. Donc j'avoue que ça a été assez compliqué aujourd'hui. Mais non, c'est vraiment pas le pire chat, je l'aime trop, croyez-moi. J'aime très 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 fort mon chat. Mais vraiment très 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 fort. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, en plus, j'ai pas envie de la faire rentrer parce que... Pardon. J'ai pas envie de la faire rentrer parce que vraiment j'ai pas envie que vous m'entendiez en plein milieu du live faire « Lulu, pas pipi !» Voilà. Du coup je la ferai rentrer mais après. Et c'est surtout que là, je pense qu'elle va aussi essayer de m'arnaquer à chaque fois que je finis... que j'arrête mon stream parce qu'en fait du coup c'est ou mon papa ou mon frère qui lui donne à manger à 18h. Elle essaye de me réarnaquer quand je sors de ma chambre pour réavoir à manger. Elle dit, on sait jamais, peut-être qu'ils communiquent pas entre eux, qu'ils savent, qu'elle sait pas que je lui ai déjà donné, que j'ai déjà eu à manger. Et ça a marché une fois en fait. Il y a une fois où du coup un soir elle a eu deux fois à manger. Du coup depuis je fais bien attention avant de lui donner, de vérifier que personne ne lui a déjà donné. Oh merci Clem, c'est vraiment trop trop gentil, merci beaucoup. Et puis sinon on va voir un cucu de chat sur le colo, exactement. Et vous ne voulez pas voir un cucu de chat sur le colo. Mais non, mais mon chat, c'est le chat le plus mignon au monde, quand même. Il faut le dire. Attendez, parce que je vous en parle tout le temps, mais est-ce que vous l'avez déjà vu? Attendez, j'arrête pas de dire des trucs méchants sur mon chat. Du coup, je vais vous montrer une photo d'elle trop mignonne pour vous compreniez que ça reste quand même un chat très mignon. Regardez, là, elle s'était mise en mode humain. Je précise, c'est pas moi qui ai mis le drap comme ça. Elle s'était vraiment mise en mode, là, on voit pas, mais elle a la tête sur mon oreiller et la couverture comme ça. Vraiment, je tiens à préciser, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Elle s'est vraiment mise en mode humain. Et attendez, je vais vous montrer une photo où on le voit mieux. Regardez comme elle est belle. Elle n'est pas trop belle. Elle est trop belle. C'est le plus beau des chats. Elle est trop mignonne. Elle a les yeux verts et tout. Là, vous voyez, vous la voyez pas très bien. Elle est trop mignonne. Elle est trop choupinette. Oh, regarde, là, il y a que Gaël qui va comprendre, mais regarde ce que j'avais fait. J'avais réussi à lui mettre le filtre pigeon sur la tête. Parce que j'ai un trip sur Instagram, je mets toujours ce filtre-là avec le pigeon. Et j'ai réussi à le mettre sur mon chat. J'étais bien contente. Donc voilà. Et ça, c'est une photo de mon chat dans une bosse très peu élégante. Je l'aime trop. Et voilà, vous voyez, elle est très mignonne. J'en dis du mal, mais elle est très très chou. Oui, ce sont les mêmes, ils se votent sur les colonnes. Non mais oui, mais c'est abusé ça.
Et puis, tu sais, elle joue avec les crayons qui sont au bord pour les faire tomber. C'est génial. Voilà, bah, vous avez vu Lulu. Vous avez vu, elle est trop chou. Elle est toute mignonne. C'est ma Lucienne. C'est bien ta fille, exactement, Gaëlle. Un petit pigeon sur la tête comme maman. Je vous laisse, je vais. Miam, bonne soirée les filles. Bonne soirée à toi aussi, Val. Et donc du coup, bah pareil, toi, à tout à l'heure, puisque je vais créer, dès que je finis tout ça, je vais créer le petit groupe sur Instagram pour qu'on se mette d'accord sur le Kirby. Donc très très bon, bon appétit à toi. Bonne soirée. Et des bisous et merci encore d'être passé, d'avoir participé. De toute façon, là, je pense que je vais encore faire une case ou deux. Et puis je vais pas tarder à y aller également. Puisque j'ai promis à mon petit frère de lui rendre la connexion. J'avais 19h et 19h03. Parce que voilà. Du coup il avait fini de travailler. Et du coup il peut pas lancer de jeu. Parce que s'il lance un jeu, moi c'est mort. Ça fait que de bugger. On fait comme on peut. On se partage la connexion. Vu qu'il là il a un petit peu... Il a des vacances. Il est vachement là. Et donc du coup ça... Bon, faut se mettre d'accord, quoi. Donc le pot, on va pas lui monopoliser toute la connexion. Et en plus, j'avais oublié, il faut que je me démaquille. J'avais une flemme aujourd'hui et j'avais totalement oublié. Je vous raconte un petit peu ma vie, mais je devais faire des photos pour mon Instagram pro. Et donc du coup, parce que oui, pour les petits nouveaux arrivants, voilà, je suis graphiste, j'ai un compte Instagram professionnel sur lequel je poste mon travail, et quelquefois je mets une photo de moi, enfin quelquefois j'en ai une pour l'instant sur mon compte, pour que les gens ils voient un petit peu à qui ils ont affaire, qu'ils voient à quoi je ressemble. Et donc du coup, j'ai dû me maquiller, j'avais grave la flemme aujourd'hui, je l'ai quand même fait. Et je déteste me maquiller parce qu'après il faut se démaquiller et c'est trop chiant. On le remercie pour le prêt. Je réfléchis, Clem. Attends. On le remercie pour le prêt. Oui, ah ok, c'est bon, c'est monté jusqu'au cerveau. Oui, t'as vu, il a été gentil. Hein. Mais c'est vrai que du coup, là, il est à la maison tout le temps. Et donc du coup, bon, il veut jouer avec ses copains, ce qui est normal. Donc on lui dit merci. Donc on se met d'accord, on se partage un petit peu la petite connexion. Je suis en train de mettre en pochette mon forêt féerique, mais c'est moi où le papier n'est pas du tout aussi épais que les autres. Attends, le forêt féerique... Non, moi j'ai pas eu cette impression, Saphira. Moi je l'aime beaucoup ce livre. J'ai colorié plusieurs fois dedans, ça s'est toujours très bien passé. Allez, je fais cette dernière petite case. Non, le forêt féerique, enfin je sais pas. Ouais, c'est bon, ça fallait le temps que ça monte au cerveau, Clem, mais c'est monté jusqu'au cerveau. Non, bon, franchement, le forêt féerique, enfin, je sais pas, les autres, s'il y a d'autres personnes qui l'ont, je trouve pas. Je suis assez contente, moi. J'ai fait même plusieurs colos dedans, ouais, ça s'était assez bien passé. J'ai l'impression que le papier n'est pas aussi épais que d'habitude. Bah écoute, je comparerai, je te dirai. Je vais regarder avec mes autres blocs, mais... Peut-être pas. Je ne sais pas, faut que je regarde. Mais je sais pas, quand je l'avais mis en porte-vue, j'ai pas eu cette impression. Tu l'as déjà entamé ce bloc, Saphira? Oh, c'est mon mes blocs préférés, je l'aime trop. C'est celui qui m'a relancé dans le Disney, d'ailleurs. Tac, 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 tac. Va se cacher, elle vient de craquer aujourd'hui. Franchement, t'as pas à te cacher, Saphira, parce que ce bloc, il est magnifique. En plus, c'est Tracy de Souza. Donc, limite, t'as à te cacher parce qu'elle t'a craqué que aujourd'hui. Alors que t'aurais dû craquer bien avant, parce qu'il est trop trop beau, ce bloc. Ah non mais moi je l'aime trop, c'est des vraies scènes et tout. T'as bien fait de craquer.
Non, vraiment, bravo Saphira. Là, je t'applaudis. Bravo d'avoir craqué. Et donc, voici. Encore toujours le même problème. Ils sont toujours très très beaux. C'est ça le problème. Voici mon avancée, ma petite avancée. Je sais pas quoi en penser. Enfin, je veux dire, je sais pas si j'ai beaucoup avancé ou si j'ai pas beaucoup avancé. Je trouve que ça va. Ça va, j'ai fait une avancée raisonnable. Des Disney qui sont surreprésentés, et notamment Blanche-Neige. Oui, mais il y a plein de nature, et moi, c'est ce que je veux, colorier de la nature. Il y a de la nature et du Disney. Va se faire taper parce qu'elle n'aime pas Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle est trop niaise, mais en fait, je t'explique, j'aimais pas du tout Blanche-Neige, et j'ai lu le Twisted Tale de Blanche-Neige. Si t'aimes bien un peu la lecture et les Disney, je t'invite vraiment à le lire, puisque ça m'a refait découvrir le personnage de Blanche-Neige, et maintenant, quand je vois Blanche-Neige dans un de mes coloriages, j'essaye de m'imaginer la Blanche-Neige du livre. C'est le Twisted Tale, Il était une fois. Et il était juste trop 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 bien. Et t'as pas du tout à l'intérieur l'image de la Blanche-Neige un peu niaise, un peu bébête, un peu cucu, enfin bref. Moi non plus j'aime pas ce Disney à la base, mais quand j'ai lu ce livre, à l'intérieur t'as une femme genre ultra badass, un peu guerrière et tout. Et vraiment, ce qui fait que maintenant j'aime bien Blanche-Neige parce que quand je la vois dans mes livres de colo, je pense à la Blanche-Neige du livre. Donc vraiment, Saphira, je te conseille ce livre si t'aimes bien Saphira et aux autres hein, d'ailleurs. Si vous aimez bien les Twisted Tales et si vous aimez bien l'univers de Disney et la lecture, vraiment, Il était une fois sur Blanche-Neige est vraiment top, 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 top. Du coup, écoutez, regardez cette belle avancée. Non, mais quand même, c'est notable quand même, c'est bien. Je trouve que j'ai bien avancé. Finalement, je suis contente. Et moi qui avais très peur du combo, je suis contente. J'ai bien géré. Je me lance un peu des fleurs, hein, ça arrive pas souvent, mais je me lance des fleurs parce que d'habitude, les combos, je galère. Et ça arrive souvent que je fasse des trucs, donc je suis pas contente. Là, pour une fois, je suis contente, donc je me lance un peu des fleurs. Des fois, ça fait pas de mal. Alors, je vous encourage à faire pareil chez vous. Lancez-vous des fleurs, ça fait du bien au moral. En fait, je trouve qu'on a toujours les mêmes Disney dans le bloc, alors qu'il y a d'autres Disney qui aurait pu coller dans le thème. C'est vrai. Non mais oui, je te charrie, Saphira. C'est vrai qu'ils auraient pu représenter d'autres personnages et ils l'ont pas fait, mais bon, ça achète, hein. Il marche bien ce combo, tu as raison de se lancer des fleurs. Merci, Saphira. Mais toi aussi, lance-toi un peu des fleurs aussi. Lance-toi. Il faut se lancer des fleurs. C'est vraiment bien. Du coup, écoutez, nous, on va se laisser là. Dès que j'ai fini un petit peu de ranger tout mon... Alors, laissez-moi tranquille avec Blanche-Neige. Non, je te jure, tu lis le livre et tu verras, tu l'aimeras. Je vais ranger un petit peu tout mon bazar, aller voir mon chat, et ensuite je créerai le groupe pour les filles qui m'ont dit qu'elles étaient OK pour commencer le Kirby. Merci encore beaucoup d'avoir été là et d'avoir été présent, que vous ayez été ici en l'heure, que vous ayez participé. Merci beaucoup, 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 beaucoup. C'était trop, trop bien, comme d'habitude. Nous, on se retrouve pour sur jeudi, sur un prochain stream à 17h, comme d'habitude. Une très bonne soirée à vous, une très bonne suite de semaine. Des gros bisous et à bientôt. Bisous, bisous.